tout le monde, hello Paul Naref, hello Arno Nano, hello Tonton Hack, comment ça va? Est-ce que vous allez bien les copains? Est-ce que vous m'entendez bien aussi? C'est ça la question que je me pose ce soir, que je me pose tous les soirs. La musique me met déjà dans le jeu, bordel. J'ai fait exprès ce soir de pas mettre Spotify et de mettre tout de suite l'écran d'accueil du jeu avec la petite musique en fond. Parce que je sais qu'on approche de la fin de Life is Strange et je pense que c'est le meilleur moment pour profiter de la bande son quand même. Ok, on en profite déjà quand on joue, mais on va se mettre directement dans le jeu. Hein. Ça va et toi? Bah écoute, ça va, merci. Merci d'avoir offert un sub, tonton, c'est super gentil, ça fait ultra plaisir. Ça fait ultra plaisir. Merci énormément pour Casser Nono. J'espère que Casser Nono sera content. C'est pas quelqu'un que j'ai déjà vu sur le stream, mais bon. Peut-être que ça le fera venir, ou ça la fera venir, je sais pas. On approche en plus bientôt du petit objectif, ça fait trop plaisir. J'espère que vous êtes prêts à voir... Non, je pense pas la fin ce soir. Je pense qu'on va peut-être se faire encore deux épisodes, vu que le stream, ça sera pas non plus super long. On est à l'ép... Attendez, je sais plus. S'il y a 4 ou 5 épisodes, je me rappelle jamais. Mais on est à l'épisode 4 Dark Room. De toute façon, je vais lancer le jeu dès maintenant. On a l'épisode 4, il me semblait que c'était 4 sur 5, mais peut-être que c'est 4 sur 4 en réalité. Je ne me souviens pas. On va lancer, on verra. Si c'est un cassé, c'est un bon. Bah ouais, c'est un bon de fou. C'est un bon. Coucou Manon, comment ça va? J'ai retenu ton prénom. Je sais que je dois t'appeler comme ça. Pour Granzo. Bon, écoutez, on va... Je voulais regarder vite fait dans les options, paramètres, audio, baisser un tout petit cran. À peine la fameuse Dark Room, ouais, on était au tout début de l'épisode. Merde, pardon. Épisode, ouais, il y a 5 épisodes, donc cool. Donc on est à l'avant-dernier, donc je pense que ce soir on va pouvoir terminer l'épisode 4 qu'on avait déjà entamé. Et la prochaine fois, on se fera un stream entier sur l'épisode 5. Sauf si on termine ce soir, en vrai, je sais pas, ça dépend. On verra bien, il n'y a pas de règles. On va déjà continuer pour voir là où on en était. Je me souviens plus qu'on était à l'hôpital. Ah oui, on allait voir Kate. Les hôpitaux m'effraient toujours. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. Tout ça, ce petit passage, on l'a déjà fait la dernière fois. C'est juste que c'était pas sauvegardé. Mais en vrai, tant mieux, ça nous fait un petit rappel. Go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Donc on rendait visite à Kate qui est à l'hôpital après avoir essayé de se suicider. I had no idea what shit she was going through. Malheureusement. And you saved her. Salut Kobe, comment ça va? Like me. Merci Paul Naref pour le resub, c'est trop gentil. Ça fait trop plaisir. 13e mois d'abonnement et c'est le train de la hype. Don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes. Là on a une petite un long moment sans jouer, enfin un long moment, non j'abuse. On va avoir quoi, deux petites minutes sans jouer, on va juste prendre des nouvelles de Kate si mes souvenirs sont bons. Elle est vraiment trop mignonne. Ok tonton, pas de soucis. Max. Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying. On est à deux subs de l'objectif, les gars. I wasn't alone. Je veux pas vous inciter, mais si vous avez Amazon Prime, vous avez un sub gratuit entre guillemets, vous comprenez dans votre abonnement. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while, but
I have an idea for a new children's book about bullying. Lilian, comment ça va? I was thinking of having some photographs in there too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're still upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. Ben, ça va, super, I was surprised merci. How many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe que, she was being brainwashed. I'm glad you believe again, Kate. Victoria I'm qui working fait des on messages it, Max. Mignons pour Kate alors que I l'a just poussée au suicide. Pray I can get this drawing right. Ok. Alors, on peut lui reparler, on lui reparlera après. On va regarder un petit peu, observer les fleurs qu'elle a reçues. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. Ça c'est quoi, c'est une petite... If this gets Kate through the night, so be it. Ok. Ça c'est ces petits ballons Get Well Spoon, ça c'est I tout mignon quand même. I don't think Get Well is quite apropos. Ouais, ça dépend comment tu prends la traduction en vrai. Carte postale, lettre... Ah, on va regarder la lettre. On va regarder la carte postale aussi. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. La lettre du proviseur. Chère Kate, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs voeux de rétablissement et vous dire que toute l'Académie Blackwell prie pour vous dans l'attente de votre retour. Les étudiants et les professeurs ont organisé une mobilisation en votre honneur et je n'avais jamais vu le corps pédagogique et la communauté montrer autant de soutien à un autre étudiant dans l'histoire de Blackwell. Mes mots ne doivent pas... Bah ça fait plaisir pour Rachel qui a disparu quand même. Mes mots ne doivent pas signifier grand-chose compte tenu des circonstances, mais il est important que vous sachiez que nous pensons tous beaucoup à vous. N'hésitez surtout pas à me contacter en cas de besoin, cordialement. Quel connard, je l'aime pas. Il est hypocrite lui aussi. Et en carte postale, est-ce que c'est de qui ça vient ? Even Victoria signed. Ok, d'accord, c'est un peu toute l'école. Victoria Chase might be queen, bitch, but je sais que tu me détestes et tu as bien raison. Je veux seulement revoir ton sourire à nouveau. Dis-moi si je peux faire quoi que ce soit. Bis, Vic. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement hypocrite pour moi, mais bon. Après, peut-être qu'elle le pense, hein. Mais je pense que c'est un peu logique aussi de ma part de pas trop la croire. Hein. Good to see that Kate is still working on her book report. Ouais, voilà. Pour moi, c'est des faux culs, mais bon. Oh. I love Kate's happy rainbow flock. Ok, bon, on va lui reparler un Kate, petit peu. Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Non, on va lui parler de Victoria. Non, on va parler de Nathan, comme vous voulez. On va lui parler d'elle-même, allez. On verra qui on fera le tour. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan, like... A tea shop tour of Portland. Oh yes, and you could bring Warren along too. Interdit aux garçons? Non, je veux juste dire Warren. What do you think of Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart, and he's a cutie pie. Un petit crush sur lui. You know he likes you. So I've heard. He asked to go to the drive-in, but I turned him down. Oh, really? You guys would be Merci a perfect couple. C'est gentil. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. On va parler de Nathan avant et on parlera de I want you to dernier. Know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. I wish I could have gotten his ass kicked out of Blackwell. Me too. But his dad would never let that happen. I thought I had a tough family. So what is going on with him now? Faut en parler de... Non, du Vortex Club. I assume he'll show up at the Vortex Club party on va tonight parler de sa like famille. Nothing happened. And nobody can do Même anything tout, to him mais after bon, le what Vortex he did. Club, c'est pire, We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Okay. Max, please wow, let me help. Dangereux quand I can get the number and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. Je sais pas si c'est la bonne idée de faire ça, mais après on lui a promis de récolter des preuves et tout. I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be not nice, but I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive,
but I feel her struggle. Moi, je pense qu'elle est vraiment très naïve. I wasn't so nice to her this week either, when I took a picture of her covered in paint. Putain, tout ça, c'est sur la même semaine. We all have quand on l'a prise en photo avec la peinture, c'était vraiment le premier stream, je crois. She acts so mean? On va dire que c'est une... Non. Elle manque de confiance en elle pour agir comme ça. Oui, elle est trop gentille. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Du coup, je pense que Chloé va nous accompagner dans la chambre de Nathan Prescott. Tell Alice I'll see her soon. Je pense qu'on va s'attirer vraiment beaucoup de problèmes là, mais après, c'est la fin du jeu, ça va forcément être chaotique. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Je sais qu'il est pas clair, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose. Moi, il doit y avoir un bail avec le proviseur ou le prof, je sais pas. Ils sont bizarres eux aussi, mais on se focus sur d'autres. Genre on s'est focus sur le beau-père de Chloé, on s'est focus sur Nathan Prescott. Mais en vrai le proviseur et le prof aussi ils sont chelous hein. Le prof il a parlé à Kate, elle allait suicider direct après, il y a un problème je pense. Et après le proviseur il est bizarre depuis le début. Coucou, comment ça va? C'est JK comme je t'appelle. Hey Max, how you doing? Oh, hi Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has Merci to go on. Chimique, c'est super gentil. I think there's too Donnez much force, going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't win our photo, I understand your reasons. Je pense que je vais pas enchaîner avec le prochain. Je vais marquer une petite pause avec un autre jeu. But it's been a hard week to focus. Mais je sais pas à quoi jouer. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend, and I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out. J'ai vraiment Thanks, Mr. Jefferson. Le pass Xbox et le PS Plus Premium, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de Me too. I'll be Max's date. Je sais pas ce que j'aime comme ça. You better dance with us at least once. J'aime bien les jeux à choix, plus, comme ça, j'ai fait you des watch trois the old hipster trying que j'avais grave kiffé. I have some pride. Be seen. Yes, you will. Après, les jeux horreurs, je sais pas. Hot for teacher. Ouais, j'sais pas. J'aime bien, mais sans plus, c'est pas mon grand kiff après à essayer. Tonight. Ça va fermer à tester, il y a peut-être Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Franchement, j'aime de tout, hein. Autant des jeux chill, des jeux à choix, des jeux Let's see if en I can multi, find enfin, out n'importe. J'ai vraiment le... Faut vraiment moi-même que je me pose et que je cherche des jeux. C'est qui lui, Osef? Daniel, on va lui parler hey, un Daniel. Petit you look bummed out. Are you alright? Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. Ah, il fait un petit mental breakdown, on va lui dire n'abandonne pas. Don't give up that easy. Just stay away from your sketchbook for a while. You need to keep taking the shot, as Mr. Jefferson says. Stay away from my sketchbook? You don't know me, Max. That's like you staying away from your camera. I think I'll just sit here bummed out, thanks. Okay. On va aller voir ce qu'ils se disent là-bas. Justin, it's been so long since I've seen you. Chloe fits in so easy with Justin. I can tell that Justin is really into Chloe. Ah, putain, attendez, je vais regarder.
Voilà, on a des nouvelles pages. Sans la vue. Sans l'avait lu aussi. La deuxième page, je ne crois pas. Après qu'on a fait le plein d'infos, Chloé est passée en mode Sherlock pendant qu'on examinait les indices sur notre bon vieux tableau à dessin. C'était génial. Mais bon, c'est tout ce qu'allait le docteur Watson, n'est-ce pas? Élémentaire. J'avoue que malgré la catastrophe imminente, je me sentais si heureuse de me lancer dans une nouvelle aventure avec mon ami aux cheveux bleu roi. Carrément même. Mais avant tout, je devais aller voir Kate. Je n'avais jamais été rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, encore moins à une personne qui avait tenté de se suicider. Donc ça m'a fait plaisir que Chloé m'accompagne. L'odeur aseptisée et les murs blancs des couloirs sans fin m'ont toujours fait flipper, sûrement ma propre peur de mourir. Quand j'ai vu Kate dans sa chambre, entourée de cartes, de fleurs et de ballons, je me suis rappelé la dernière fois que je l'avais vue sur le toit. Son visage était si désespéré, cette fois l'envie de vivre lui était enfin revenue. Que dire à quelqu'un dans cette situation? Ça va mieux depuis que tu as failli te jeter du toit? Mais la nature douce de Kate a aidé. J'étais si heureuse de l'avoir dessinée et faire des projets d'avenir. Elle veut vraiment faire payer Nathan pour ce qu'il lui a fait, donc vengeance. Ok, bah du coup, nous on va devoir aller dans la chambre de Nathan, mais je sais pas si on peut discuter avec des gens avant qu'ils pourraient nous donner des infos, genre. J'espère que Max n'est pas sur où est-ce qu'il est, par exemple. Hey Brooke, how are you? I'm here as usual. By the way, thanks for helping Kate down. C'est Akali, elle. Are you okay? Merci pour le follow, Zizo le calamar. Il est bas de bossu. On va parler de Nathan directement. I need to find Nathan. Have you seen him around? I was distracted by Warren asking me out to the drive-in. On peut trop penser à Akali. It's a school day, so Nathan should be around. I did see him this morning heading off campus. He looked more angry than usual. I wouldn't look for him now if I were you. I have to go. Talk later, Brooke. Good. Okay. Nathan is not around. I should go back to Chloe. On peut pas discuter avec eux avant. How are you doing, Max? Merci Zo le calamar. Oh, merci beaucoup pour le Prime, ça fait trop plaisir. Yes, it has. Je peux pas rester, mais j'ai vu le tweet, j'ai bien envoyé de la force. How are you? Merci énormément. Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions too. Il est tellement chill lui à chaque fois, c'est lui qui voit les. Ouais, il parle aux animaux le matin là. On va lui parler de la ville. I still have a million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. On va parler de Rachel. On parle des sujets I qui keep thinking that Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found. Je crois qu'elle est vivante. Do you think she's alive? She'll always be alive in our hearts. Sometimes that's all we have left. But Max, all I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too. Okay. Vortex Club. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max. While time is on your side. Ils font tellement de choses, ils agissent pas. J'ai l'impression, en fait, ils veulent tout remettre sur nous. Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. No offense to Miss Grant here, but this is just the beginning. Oh, je veux dire le début de quoi? Beginning of what? Oh, I don't believe anything ever ends. Especially time. That's why I can mais oui, sense mais something sûr, bigger mais déjà, is coming discute avec Arcadia des oiseaux Bay. Le matin, il est forcément gentil. And Max, I don't like it at all. Ça me fait trop de la peine. Allez, on va laisser sorry. Tranquille. I better get going now. Et elle? Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. T'es and pas I en train swear, de parler de moi, frérot, it's not côté, about that me petition me you didn't sign. allez, parlons de Nathan. I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. I'm surprised, Max. I didn't think you and Nathan were exactly friends. Partenaire d'études, on va dire. Just study partners. I can't believe he does have friends. That depends what your definition is. But I'd like to see more friendships at Blackwell, less bullying. Especially after this week.
Me too, Miss Grant. So, you don't know where Nathan is? I saw him sulking off campus earlier. But you look like you have more on your mind than a question. Je vais parler des événements récents. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. Au-delà de la science. I think this is beyond science. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. We may never know why, but that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic, it's erosion. Prophétie. Ouais, so, j'aurais dû parler des animaux morts. You don't think this could be some kind of prophecy or something? Max, tous les pigeons you morts, know là. How fascinated I am by Arcadia Bay legends. But I haven't found any apocalyptic signs yet. Unless you count those end of the world posters. Unless you know something I don't. Oh, je parle pas de voyage dans le temps. C'est quoi Tobanga, je veux dire ça. I wonder if the Tobanga knows more than anybody here. Oh, Max, nobody even knows who brought the Tobanga here. It was likely stolen from the South Pacific by local fishermen. But I know what you're saying. There's a lot of energy here. Allez, on parle de Kate. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Who needs surveillance when we have Maxine Caulfield? You did a wonderful thing. And now we have to make sure Kate gets the help she needs. C'est terrible leur bail de surveillance dans le lycée. Do you need to talk to a counselor? Blackwell a besoin. Je veux juste dire non merci. No thanks, Miss Grant. I have my best friend and my parents. For now. I'm happy to hear that, Max. Just don't ever be afraid to talk to somebody, okay? I wish Kate had come to me. Je l'aime vraiment bien, cette prof. I had no prof. Idea what she was going through. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. Mais eux, ils ont aucun it's pouvoir extremely sur le Vortex tasteless Club. Given pas what happened with Kate. De dissoudre le truc. Parler des Prescott. La même, mais je la trouve un peu à côté de la plaque. Non, moi, en vrai, non. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? Une prof, quoi. I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing Attendez, you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I'm sorry, Miss Grant. Ouais. I have to get going. Elle s'est partie. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. En fait, monsieur, le prof d'art, Monsieur Jefferson. Monsieur Jefferson, je l'aime bien de base. Il est sympa et tout. Mais j'ai un feeling bizarre avec lui depuis qu'il a eu une discussion avec Kate et que juste après elle a essayé de se suicider. Je trouve ça trop bizarre. Et il agit trop l'air de rien, genre. Il est tellement pas suspect qu'il en devient suspect. Mais après, j'ai rien pour l'accuser, genre. It would be so cool. Et après, c'est ma faute parce que je me souviens très bien qu'après le suicide de Kate, enfin le suicide, pardon, la tentative de suicide, on s'est retrouvé dans le bureau du proviseur. On pouvait soit accuser Nathan, soit accuser le prof, soit accuser l'agent de sécurité de l'école. Et j'ai accusé Nathan et l'agent de sécurité, mais j'ai pas accusé le prof. Mais je me dis peut-être que j'aurais dû faire ça en fait. Parce que ça me paraît bizarre qu'il me propose de l'accuser. Et c'était bien suite à leur conversation. Mais j'ai esquivé ce truc, j'ai l'impression que j'ai esquivé un détail important. You suck. Now let's get into Blackwell Ninja Mode. Les trois sont impliqués à 100%, je sais pas. Hein. Moi je pense qu'ils doivent être impliqués dans la disparition de Rachel ou alors au moins des trois. So lame, they don't have co-ed dorms here. Yes, ou deux sur trois ils sont sous la Nathan ou alors Prescott in the room ouais les deux door. Sur trois ils sont sous la protection du proviseur enfin vous voyez. Wait here, give me the signal if Nathan or okay. Anybody voilà. Shows up. I won't let you down, Batmax. Je vais devoir me concentrer. Now I just have to find Nathan's room.
Quelle est la chambre de Nathan? Déjà, est-ce qu'on va le savoir? The Vortex Club sucks. C'est pas lui. De toute façon, c'était signé Evan. Oh! Vous entendez ou pas? Enfin, je sais pas si vous avez entendu, il y a un mec qui crie sa mère. Bigfoot, Godspeed, Balls, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'il raconte? It's all good in the woods, c'est tellement pas lui. Lui d'avoir une affiche bad nulle. Ah bah là, c'est. Comment il s'appelle notre pote? Sorry, Kate. The Prescott's rule this town, c'est pas lui? Il serait quand même pas. This can only be Nathan's room. Bah. J'ai un message de Kate. Oh, j'avais pas vu, attendez. Mais attendez, ça me paraît bizarre, le mec aurait mis ça sur sa propre ardoise. Oui, je suis le fou. Qu'est-ce qu'elle me dit? Super Max, au cas où tu en as toujours besoin, le numéro de chambre de Nathan et le 111. Ah bah, on était devant le 111, j'ai pas fait gaffe. Kate, tu gères, merci, tu fais ressortir la rebelle en moi, j'adore, tu es déjà une rebelle, crois-moi. D'ailleurs, attendez, je viens de voir ça. J'ai bien envie de regarder les trucs sur lui, là. Mark Jefferson, un des meilleurs photographes du monde, est mon professeur. Si j'ai choisi Blackwell, c'est surtout pour lui. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir l'un de ses modèles comme enseignant. J'ai toujours adoré son style art déco et gothique, et il est vraiment polyvalent, des magazines au marketing publicitaire. Mais il peut être parfois un peu hautain. Ouais, il est plutôt cool pour son âge, mais il lui arrive d'être distant, voire méprisant. Il a ce sourire suffisant quand il croit avoir raison. Mais je crois qu'il nous prépare à la dure réalité de la vie d'artiste. J'ai l'impression qu'il comprend véritablement mon travail et mon obsession pour le format analogique. Il insiste pour que je participe au concours Héros du quotidien. Mais jusqu'ici, j'ai réussi à esquiver. Le gagnant ira à San Francisco pour représenter l'Académie Blackwell et se faire connaître au niveau national. Ouais, bon, en vrai, elle dit rien de bizarre sur lui. Je pense que je suspecte trop les gens. 111, ok. Par contre, il y avait grave des gens qui criaient là. Moi, j'ai peur qu'il y soit. Hein. Bon, il y est pas. À moins qu'il se soit enfermé tout seul dedans. J'ai trop peur qu'il arrive. Sa chambre de con là. On doit trouver des infos sur lui par rapport au Vortex Club et tout et tout. Je vais aller sur l'ordi. Now I need to find Nathan's phone. Nathan is way into this party. Alors, à Victoria, salut chérie, dis-moi ce que tu comptes porter à la soirée du club cette semaine que je puisse choisir une tenue aussi chère et stylée que toi. J'ai trop hâte d'y aller. Putain, le bobo de merde. D'autant que je n'y arriverai pas les mains vides. Pas mal de petites surprises à offrir à tout le monde. J'ai même dit à mon padré de tenir ses chiens de garde à distance, qu'on puisse se défoncer tranquille sans se faire mordre. Si c'est une soirée avec un thème fin du monde, autant voir les anges, non? Oh, bastard. Now I remember why I hate you. Ok, la vidéo sur Kate. Oh, man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Je sais que cette semaine a été éprouvante et tu sais que ta mère et moi sommes là pour toi comme toujours. Ta mère souhaite que Dr. Bill vienne te voir après la tournée promotionnelle de son nouveau livre, mais je pense qu'on devrait s'en tenir à ton ordonnance. Il faut que tu sois calme et que tu tiennes tranquille jusqu'à l'ouverture de Pan Estates. Je sais qu'être un Prescott peut être un lourd poids à porter, mais j'essaie de te guider pas à pas comme mon père l'a fait pour moi. Ça a été dur pour moi aussi quand mon père m'a ouvert les yeux sur notre destinée, mais tu me remercieras un jour, ne t'en fais pas pour Blackwell. Il est temps que cette ville de merde subisse un lavement. Oula, je veux que tu sois prêt à me succéder quand le moment propice viendra. Ne fous pas tout en l'air, mais ces Zemmour sont darons. Coucou Arlena. Too bad Nathan isn't more like his sister. Donc là c'est sa sœur. Merde du Brésil pour mon petit frère. Ça fait un petit moment que tu m'as pas donné de nouvelles, alors n'oublie pas de me raconter comment se passe ta palpitante vie étudiantine à Blackwell. Je n'arrête pas de parler à mes collègues du corps de la paix et de mon talentueux frérot inscrit dans l'une des meilleures écoles d'art du monde, avec bourse de mérite en plus. Même si je n'ai pas toujours le temps de regarder mes messages ou mes mails, tu as intérêt à m'envoyer d'autres photos du campus, que je puisse vivre ton expérience à travers ton objectif. Vous me manquez, toi et tes photos. Il veut nettoyer Arcadia Pocar, je te jure. Et oui, maman m'a dit que tu as eu quelques problèmes et que papa a été dur avec toi, mais tu dois apprendre à l'ignorer ou à le tenir tête. Tu sais que j'aime papa, mais c'est aussi pour mettre de la distance entre lui et moi que je suis actuellement dans une jungle à l'autre bout du monde. C'est une brute qui a hérité d'une grande influence, mais pas de sagesse, et la seule façon de remporter le combat est de riposter. Ne le laisse pas te modeler à son image pour une histoire de soi-disant patrimoine familial. Fin de la leçon. Tu es à l'école et je voulais juste te rappeler comment c'est à la maison. Je retourne à la mangrove tout en t'envoyant des pensées positives. T'as intérêt à me répondre, sinon je t'envoie un jaguar au dortoir. Bon, ok, elle est cool. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Ok. Par contre, elle a dit on doit trouver le téléphone de Nathan, mais je pense qu'il est parti avec son tel.
Max, maintenant que David n'est plus là, j'ai besoin que Chloé prenne ses responsabilités et arrête de faire autant de bêtises. Ce qui ne risque pas d'arriver si vous vous comportez en délinquante et entrez par effraction à Blackwell au beau milieu de la nuit. Je suis au courant, donc pas la peine de nier ou de chercher des excuses. Jure, elle est au courant. J'espérais que tu la remettes dans le droit chemin, mais j'ai l'impression de m'être trompée. Tu pourrais avoir une influence tellement bonne sur elle, sauf si vous voulez continuer à jouer les rebelles toutes les deux. En tout cas, elle ne peut plus rejeter la faute sur David. Je suis désolée, Joyce, moi aussi il m'arrive de faire des bêtises, mais j'essaye d'avoir une bonne influence sur Chloé. Je sais, Max, j'oublie parfois que vous n'êtes que de jeunes adultes. Ça va, elle est quand même assez compréhensive. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je me dépêche. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les DVD? Je pense rien. Dans les posters, je pense rien. Holy shit! That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Comment c'est un cadeau de la part d'eux? Pas ouvrir les tiroirs. Regarder les photos. Damn, Nathan. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Ouvrir le tiroir. That is so Chloe. Salut, trop duc. Faut qu'on parle ou je balance à tout le monde ce que t'as fait et tu vas payer, enculé. Wow. Oh my god. Wow, il l'a prise en photo. Chloe. Cadeau de la part du beau-père de Chloé. Ouais, j'ai capté juste après avoir dit ça en plus. Putain, mais les gars, j'ai l'impression que je vais jamais trouver ce que je veux. C'est quoi ça? I thought Victoria had the photo bling, but that monochrome camera is brand new and cost about 6 grand. Bastard. Éraflure? J'avais pas vu ça. What the hell are all those marks on the floor? C'est quand ils se transforment en loup-garou la nuit, c'est pas possible. C'est tout? On peut pas les observer plus? Let's find out what you're hiding. Ah, c'est le canapé. J'ai trop peur. Putain, oh en fait, yes, little phone. You are let's go, mine now. Let's go. Ok, on a le tel, c'est le plus important. On a regardé les autres. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Il va être là. Or before Nathan comes back. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean. Je pense que j'ai loupé des détails, mais tant. Creepy. Check this out. Si on vole, on va savoir que ça vient de nous, c'est sûr. Faudrait qu'on puisse le prendre, regarder et le reposer. What are you doing in my dorm? On va revenir en arrière, c'est ça? You're such a nosy bitch, Max! Stop right there, Nathan! Make me, ho! C'est Warren. Max, I got this! Non. Get the fuck out of my face! Moi, je vais revenir en arrière. Wesh! Je crois qu'on peut pas revenir en arrière. Warren se défend. You are so fucking dead! Get off me, bro! Attendez, j'en ai marre des trucs stressants. Je laisse faire ou je l'arrête? Si je l'arrête, si je le laisse faire, le mec va péter son crâne. Il va faire la victime. Oui, il mérite, je suis d'accord. Si je l'arrête, j'ai peur que l'autre chope le flingue et bute Warren. Ouais, voilà, je me dis si tu l'arrêtes, il va le buter. C'est trop dur, attendez. Je le laisse faire. Nique ta mère. Au pire, je reviendrai en arrière. Like Max? Like Kate? Like me? Et tant pis, Warren, il aura une finition, c'est pas grave. Ah, il fait beaucoup là, ça dure longtemps. Get off me! Please! Vas-y, pleure, fais ta victime, ça y est. Ton flingue là. Mais peut-être les gars, j'ai trop peur, mais imaginez la théorie, c'est qu'en fait Nathan il se défend d'un truc. Genre lui aussi il enquête sur des trucs peut-être, je sais pas. Il enquête sur nous comme on enquête sur lui, genre. Stop. Sorry. Oh, yes, je regrette. Putain, elle a ramassé le flingue, mais elle est conne elle. Who's the bitch now? Chloe. Moi je regrette, j'aurais dû l'arrêter, j'en suis sûre. Damn, Warren went full alpha on Nathan.
And it was good. Maintenant, il peut tout retourner sur But nous, genre on a scary. Un flingue et tout. On peut pas lui parler à cette... il est Shit, en PLS. She really hurts. Après, c'est un petit richou de merde. Il mérite un peu de pleurer comme ça en PLS après son papa. Allez, hop. Vas-y, pas de pitié pour les riches. Je sais pas ce que j'ai là, faut que je me ressaisisse. Il se serait fait tuer 100%, je sais pas. Damn. That was intense. En fait, le truc qui me pose problème maintenant, c'est que... Chloé a ramassé le flingue et je pense que c'est pas bon pour nous en fait. Warren, thank you so much. For what? For beating the shit out of Nathan Prescott? Dude, you rule. I don't know. Hey, I kind of went crazy there. Ils sont forts, hein? Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys, just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better, Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Moi, je l'aurais Whatever laissé I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's Chercher father. Des infos sur le père de Nathan, ouais, pourquoi I'm pas, on mais... it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Why? Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even ah, answer putain, you? Elle veut voir Frank parce qu'elle a un flingue. Frank always answers when he wants money. Like I said, on gère trop de problèmes Frank en même wants temps, to see putain, me right now. Let's not keep him waiting. Il est hors de question, je préviens d'avance, qu'on bute Frank. Il est hors de question qu'on se foute dans la barbe à merde encore une fois, c'est mort. Elle a pris un flingue. Non, non, mais je l'aime trop, Chloé, mais... On le tue seulement en cas de légitime défense. Mais moi, Frank, je pense que c'est un bon au fond. Je pense qu'il a rien à voir avec la disparition de Rachel. J'en suis sûre. God. I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean. They're looking for them. Well, that asshole's gonna help us find Rachel. Or what? You'll actually shoot him? Chloe, do not count on my rewind. Seriously. Obviously, I'm not counting on you. That's why I have a gun. And I might even save you someday. About time. I am so going to hate you. Elle dit ça alors qu'on la sauve depuis le début. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Elle a intérêt à pas merder, mais en fait, je pense qu'elle va devenir folle vu qu'elle associe Frank à Rachel. Et leur histoire d'amour, elle était pas au courant et tout. Elle va tellement vriller en une seconde, j'en suis sûre. Il suffit qu'il hausse un peu le ton, qu'il l'insulte ou qu'il parle mal. C'est fini. Nique sa mère, vraiment. Pas des détails autour de moi. Ce sont des ours. Attendez, j'en reviens. Ça m'intéresse. The forest seemed quiet. No sign of life. Or deer. En vrai, je fais un petit tour des lieux, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Attends, les mouettes. Il y a un flyer ici, qu'est-ce que c'est? There might not be any Pan Estates by Saturday. Je vais aller tout rapide. Ça, c'est quoi? C'est la fenêtre, je peux regarder à travers. Frank doesn't need tinted windows when they're this dirty. Ouais, c'est vraiment sale, ce que je veux dire, c'est tellement crado. Il y a plein de bouteilles, est-ce que c'est les siennes? Behold, Frank's beer garden. Duck. It blows my mind that I was just here. Good thing there are no actual cops around to bust us. J'ai regardé encore par cette fenêtre, mais c'est impossible. Can't see inside with this shit blocking the view.
Peut-être il est pas dedans, hein, peut-être il va nous rejoindre à côté, mais... Take the trash out sometime, dude. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Il y a la petite gamelle de son chien. C'est vrai qu'il va y avoir son chien, il va tellement nous attaquer. Oh, fresh meat. So Pompidou must be okay. Il s'appelle Pompidou, j'avais même pas fait. Good doggy. Ok alors. Mais c'était l'endroit où elle est venue avec Chloé en fauteuil. Jure, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas reconnu. Ok, il est là. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Il va pas vouloir nous parler tant qu'on n'a pas l'argent. Jesus, okay. Okay, ça va, j'ai rien dit. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No. You don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Je vais dire, tu ne comprends pas. You don't get it, man. This is for a good cause. No, man, I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me like you know more than I do. No, no, I'm not. I... Oh, Christ, I hate you, Blackwell. Shit. You expect everything from me. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. Non, and you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do. Get it, bitch? Get it? Oula. Step the fuck back now! C'est pas bon du tout ce qui se passe. Oh, non! Mais elle a un problème! Mais elle est dingue ou quoi? You fucking killed my dog! Oh my god! Mais elle m'énerve, je l'aime, mais elle m'énerve, c'est une folie. Tu tues son lien et tu le tues derrière. C'est une dinguerie, on va se mettre dans la merde. Théma, il est gentil, j'en suis sûre. C'est un mec qui galère, il vend de la drogue, il a un chien, bien sûr, il est gentil. Oh non. Chloé. I just shot a man and his dog. Elle a juste eu peur du chien. Comment ça a pu dégénérer comme ça? Mais vraiment, j'ai fait une ligne de texte. You saved my life, Chloe. It was self-defense for both. J'ai dit qu'on le tuerait pour de la légitime défense, mais là j'ai pas eu le choix en fait, elle l'a fait toute Max? Seule. Frank is really dead. I know. But we can't stop now. We have to find that code. Fast. Before the cops come. Oh, comment ça m'énerve. That's it. Let's get out of here. Sorry, Frank. I'm sorry. Ah bah excuse-toi, wesh. Attendez. Est-ce que je peux pas entrer là? Non, je peux pas. Est-ce que je tente de revenir en arrière? Elle était vraiment plus âgée quand elle était coupée sur une chaîne. Arrêtez. C'est de changer ma ligne de texte. C'est vraiment pas une bonne idée de le tuer. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this will not go well. Max, I should have known you would be kind and rewind. So tell me exactly what I need to do here. Je lui dis quoi? Attention à ce que tu dis, débarrasse-toi du flingue ou attention. Parce que le flingue...
on en a quand même peut-être besoin s'il va trop loin. Là, il n'est pas allé trop loin encore. En fait, comment on se défend si elle se débarrasse du flingue? Parce que même si elle se débarrasse du flingue, est-ce que elle va pas le mettre quelque part et lui va le récupérer? J'en sais rien. Oui, voilà, on est d'accord. Ouais, ouais. Oui, je suis d'accord qu'elle est instable. Mais j'ai peur que lui le récupère derrière parce que lui aussi, il est nerveux. Je fais confiance à Franck, il fera rien. C'est un bon. Non, je vais juste dire, fais attention à ce que tu dis. Ah, mais après, elle va pas faire attention à ce qu'elle dit. Attendez, je réfléchis encore. Parce que quand elle l'a tué, en fait, on aurait dit qu'elle était pas, qu'elle se contrôlait pas elle-même. Genre, elle l'a vraiment fait par pulsion. Donc en fait, si elle garde l'arme, peu importe ce qu'il fait, il a juste posé sa main sur notre cou, elle a tiré. Ou juste attention, moi, fais gaffe, il y a un chien. Mais elle le sait qu'il a un chien. Débarrasse-toi du flingue. You won't like this, but you need to get rid of that gun. No, Max, I don't like that at all. But I trust you. And girl, if I need that gun, you better rewind fast. Ah, mais elle le jette loin. Ouais, c'est ça que j'aime pas. Si un flingue est retrouvé avec des empreintes et tout, je sais pas. The Wonder Twin. I don't have the money. Merde. Je veux dire, pas là pour se battre. Thanks for hearing me out, Frank. Look, we only want to talk, and it's not even about you. We're not here to start a fight. No, that shit would be over pretty fast. Don't fuck with me, and I won't return the favor. So what do you want? Just the names of some of your... Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell... Je vais dire je suis désolé. Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but... This is important. Yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. You come in peace? After you aimed a fucking gun at me, and then pulled the trigger. Qu'est-ce que je dis? Attendez, chargeur vide, tu m'as fait peur et des Chloé, notre planque préférée. C'est quoi le bail de notre planque préférée? Je vais pas dire tu m'as fait peur. Bah, je voulais dire... Ouais, non, attends. Tu m'as fait peur, mais j'ai peur qu'en lui disant ça, ils s'en servent pour nous refaire peur. Pas la plaque, mais dis sauver Chloé. Pas la planque, mais dis sauver Chloé. Bah ouais, mais en fait, il a trop la rage contre Chloé, genre. Donc en fait, il s'en bat les couilles qu'on a essayé de sauver Chloé, lui. Il s'en tape. Je vais pas dire chargeur vide parce qu'il va dire ok, je vais dire tu m'as fait peur. To be honest, Frank, you scared me. You held a knife on my friend. I didn't want to pull the trigger. I could tell by the way you held that pop gun, with both hands, like it was a magnum. Or maybe I shouldn't have brought that knife to a gunfight. I only want to shoot with my camera. I swear. Petit jeu de mots, peut-être que ça passe sur un malentendu. Look, Frank, Max doesn't need a gun anyway. So are we cool? Please? Okay, we're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Sauvetage de chien. Of course I do. I heard C'est vrai, you on a vu cette bunch info. Of fight dogs. That's amazing. No, all right, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompidou. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Oh. Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank.
We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Qu'est-ce que tu caches, Rachel? Lettre de Rachel, bracelet. Bracelet. You have Rachel's bracelet. You obviously know more than you're telling. So tell us. Never come into my home and tell me what to do. Merde. Understand? Man, there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs J'aurais dû dire, tu connais Rachel. Too late, she's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole. And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. J'ai pas fait le bon choix. Calm down, Frank. Je pense que c'était pas Let's censé... just talk. Don't you ever tell me Putain. What to do. Get it, bitch? Get it? Okay. How do you like my blade, kid? Huh? Whoa! Chloe! Get off of me! Motherfucker! Bon. On sait qu'on va devoir changer ce qu'on a dit. On est obligé de revenir à ça? Au point. Les gars, on est en train de revenir au tout début là. Mais on va pouvoir passer, donc c'est rien. Je sais où on a fait le choix de merde. Listen, Chloe, I can tell you for a fact that this will not go. Max, I should have known you would be. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui redis, débarrasse-toi du flingue. Et voilà, moi j'avais pété l'argent, ça s'est très bien passé. Je dis ça à rien. Putain, c'est vrai que j'aurais dû voler l'argent. Ouais, je re. Attention à ce que tu dis, tu penses. Ouais, parce que c'est vrai que c'est elle qui fait la... You have no social skills here, and you will piss off Frank immediately. You kind of love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change. Or how you used to be. Ouais, c'est vrai que c'est elle qui fait que parler. I... Pas là pour se battre, ça, ça avait Thanks bien fonctionné. No, that shit would be over pretty... Just the names of... Il va dire oh, non. Is that all? Je suis désolée. Listen. Yeah, yeah, every... There's no time. Yeah, yeah, well, it'll... Il va encore dire non. Come on, Frank. The... Right, okay. Both are... Frank. What, you come in... Je vais dire, tu m'as fait peur. To be honest... Ça fonctionnait plutôt pas mal. I can tell ici. By the... I only want to shoot with my... Look, Frank, Max... We're cool for... We're only... On va reparler des sauvetages de chiens. Of course I... No, all right, it was just the right thing to do. Qu'on n'aurait pas pu dire si on n'avait pas... That's very Explorer cool, un peu, genre. Maybe we can focus... Yes, Rachel... You and Chloe do not know... Pff, attendez... Je sais pas quoi dire. Je vais pas dire qu'est-ce que tu caches, c'est menaçant. La lettre de Rachel, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a volé. Enfin, c'est un truc qu'on a vu dans son camping. Je vais juste dire tu connais Rachel. Parce que le truc tu connais Rachel, c'est un truc qu'on a vu dans son camion, genre. Frank, you knew Rachel almost better than anybody. On va aller dans And son sens. You know more than us. Together we could find her. Do you have anything to lose? When Rachel vanished, I pretty much lost everything. I can't stand ouais, not knowing where bon she point. Is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, Allez, you two dorks can find Rachel. Je sais que c'est un bon au fond, c'est juste qu'il a trop la rage. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. En fait, on veut voir si Nathan Prescott dessus, c'est Thank ça you. Yeah, thanks, Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. En fait, faut juste aller grave dans son sens. Et on a gardé le flingue, ce qui peut nous être utile pour plus tard.
J'ai peur encore, ok. That was cool Frank gave up the code to help us. Rachel must have seen something good in him. Je pense qu'on a bien fait. Là, je suis contente. Je suis assez satisfaite. J'aurais bien aimé one shot, mais... J'ai trop peur au début quand elle l'a tué au premier truc. J'ai l'impression que je pouvais pas remonter le temps, genre. Le jeu ne nous l'avait pas dit. Après, bon, c'était peut-être fait exprès. On avance dans Chloe, l'enquête. Are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Les OST Seigneur, elles sont si bien. J'aime trop les musiques de Stranger Things. What the fuck? I better focus on this board and start tying these clues together. D'abord, je vais regarder le flingue. Oh, on a un message Sorry, de Frank. We got Frank on our side. Salut Max, je voulais juste savoir comment se passe l'enquête. Merci Franck, on est près du but. J'espère, tiens-moi au jus, passez me voir plus tard si vous voulez zoner. Bonne chance, sympa. Si on se le met dans la poche, c'est cool. Putain les gars, c'est fou que tout ça ce soit sur une semaine. J'en reviens pas, j'y avais pas réalisé tout à l'heure. Oh, on a plein de nouvelles pages. Alors. Il est vraiment ce mec qu'il pense être de fou. Attendez. On n'avait pas vu la page de droite. Après avoir reçu l'assistance des autres membres de l'équipe, Chloé et moi nous sommes dirigés vers le dortoir des garçons ou l'antre de Nathan. Chloé a monté la garde à l'entrée du couloir pendant que je me suis faufilée dans la chambre de Nathan. Même si je suis devenue une espionne détective experte, il y a encore des choses qui me surprennent, comme le repère expressionniste morbide de Nathan. Ouais, le mot de 30 milliards de lettres. C'était comme quitter la lumière pour l'ombre. La température a baissé d'un coup quand je suis entrée. Mais bon, Nathan sait bien qu'il faut garder les pellicules photos et l'équipement dans un endroit frais. Moi, je laisse mes pellicules instantanées dans la classe de Monsieur Jefferson. On lui a chouré... Il est vraiment ce mec cool qu'il pense être. On lui a chouré sa liste de clients, on l'a même pas payé, il est devenu notre pote. Non, c'est fort de fou. En vrai, trop bien, hein. Et tant qu'on a parlé de température, les trucs que j'ai trouvés dans sa chambre m'ont fait froid dans le dos. Les photos bizarres, les lettres abusives de son père et enfin, le plus important, le portable de Nathan, regorgeant sans doute de messages et de mystères. Ça fait quand même une semaine que je vole et j'espionne les autres sans y réfléchir à deux fois. Héros du quotidien, hein. C'est là que Nathan est arrivé. Il avait l'air tellement halluciné que j'ai eu presque pitié. Il a besoin d'aide. Mais c'est aussi un connard et il représente un danger pour Chloé, pour Kate et pour moi. Avant que j'aie eu à rembobiner, Warren a débarqué sur son fier destrier et lui a donné un coup de boule. Bam, la vengeance. J'arrivais pas à y croire, Nathan non plus. Warren est passé en mode primate alpha sur Nathan. C'était pas plaisant, mais j'étais tellement fébrile et fatiguée du harcèlement à Blackwell que j'ai même pas cherché à l'empêcher de tabasser Nathan. Jusqu'à ce qu'il le supplie d'arrêter. Warren avait un compte à régler avec lui, bah tu m'étonnes. Après ce combat épique, on est allé sur la plage pour essayer de convaincre Frank de nous aider. J'ai dû faire attention de ne pas le faire partir en vrille. Il était bien vénère quand il a appris que quelqu'un avait piqué son livre de comptes, mais il s'est calmé en voyant qu'on s'intéressait juste à Rachel, pas à ses drogues, ni à son fric. Je me disais, j'essaie de convaincre un dealer de m'aider à retrouver une fille. Frank a accepté de nous aider. Il sait qu'on n'est pas super informé, donc j'espère que notre sincérité l'a convaincu. Je me méfie encore de lui, je suis toujours prête à utiliser mon pouvoir. Tout ce que je sais à son sujet, c'est que c'est un dealer, qu'il a un caractère de chien et qu'il aimait Rachel, encore plus que ses haricots. Notre équipe continue de s'agrandir. Ma vie est tellement surréelle que je ne sais pas comment réagir. Je peux manipuler le temps, mais est-ce que ça signifie que mon propre temps s'écoule plus rapidement? Est-ce que j'apprends des choses que je ne devrais pas savoir, y compris à propos de moi-même? Mes vertiges et mes saignements de nez ne sont pas bons signes, mais c'est plus fort que moi. Comme une habitude. Le pouvoir corrompt? Pas encore, j'espère. Je me souviens d'un célèbre épisode du vieux Star Trek où Kirk doit revenir dans le temps et laisser mourir celle qu'il aime pour que les nazis ne remportent pas la guerre. Quel choix tordu. Qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais pas été dans les toilettes pour sauver Chloé? Mais j'étais là, c'était prévu, le destin. Avoir Frank de notre côté me redonne de l'espoir. On en avait besoin. C'est vrai qu'on a été stupide de le confronter, surtout en repensant à nos rencontres précédentes, mais pour moi ça crève les yeux, il aimait vraiment Rachel Amber. Il aurait pas dû menacer Chloé la dernière fois, et j'aime pas le fait qu'il vende des drogues dures aux ados, surtout à Nathan. Il a besoin d'être interné, pas de se doper. Au moins Frank le fournira plus. Je comprends pas pourquoi Chloé ou Rachel traînerait avec Frank, mais bon. Peut-être que si j'étais pas partie d'Arcadia Bay, je serais pas si critique. On a le portable de Nathan, les coordonnées de David, le livre de compte de Frank et tout un tableau d'indices. On est à deux doigts de retrouver Rachel. Enfin, peut-être que la roue est en train de tourner. La roue du temps aussi. Ok, enfin, c'est la fin bientôt. On va regarder d'abord les indices de Nathan.
Collectez des renseignements sur un personnage en sélectionnant tous les bons indices. Pour chaque étape, il y a un nombre précis d'indices à sélectionner. Comment ça? I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Pourrait m'aider à déverrouiller son portable? Attendez, je capte pas. Ah, ok, d'accord. Là, on a une feuille. Flyer. Feuille, dossier d'étudiant, dessin. Carte SIM, bah logique. On va prendre la carte SIM. Et le téléphone. Ah putain, attendez, il nous faut 4 trucs pour déverrouiller son tel. On peut regarder If avant, there donc c'est is cool. A dark room, Rachel dans la chambre noire, Rachel dans la chambre noire. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Merde, j'ai sélectionné. Attendez, je vais d'abord regarder. There's a lot of numbers in here. Ok, il y a les trucs en lien avec son téléphone. Donc ça, on va le prendre. On reprend la carte SIM. On reprend le tel. Qu'est-ce que c'est cette feuille-là? Holy shit. Nathan is c'est des codes, je pense qu'on va en avoir besoin. But those... Okay, Max. Let's blow this code up and go home. C'est écrit Rachel dans la Dark Room, pardon, j'avais pas vu ton message. J'ai pas vu ce qu'elle a dit, putain, je suis trop bête. Ok. Let's start hacking. Téléphone portable. 555-10-10. Ok. Le code PIN était écrit, pardon. C'était 1-1. C'était 4-1 en gros. Oups, bad Quoi? Code. Je suis trop naze. Le connard de merde. Attendez, ça doit être écrit sur sa feuille de con. Qu'est-ce qui ressemble à un code PIN 5431, non? Ah putain, mais il va y avoir une limite, c'est sûr, je dois retourner en arrière. 5431, ça ressemble à un code PIN quand même. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Sa date de naissance, tu penses? Quelle est sa date de naissance? Donc on mettrait soit 1995, soit 2908. Ou alors, vu que son téléphone portable c'est 55-10-10, il a mis 10-10 en code PIN. Je vais essayer 2908. Non, attendez. 29. You locked it, dumbass. Je savais que j'avais débloqué le téléphone, connasse. 10-10 peut-être. You locked it, dumbass. Pas du tout. 1995. You locked it, dumbass. Je suis une connasse, pardon. M'énerve. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est peut-être celui qui est entouré. 9535. Non, yeah, j'ai mal écrit. I knew it wouldn't be that easy. C'est pas ça, c'est pas 9535. Ah si, c'est ça. Le code puke là. Code vomi. Quelqu'un peut me l'écrire? Ah non, attendez, ça va être facile à retenir. 87 89 78 08. 87 89 78 08. Normalement, c'est bon. 87 89 78 08. C'est ça, hein? Booyah! Ok. Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Ok, lisons. Il parle avec je sais pas qui. Yo, il me faut du G. Ok, cool. Tu m'as donné de l'eau, enculé. Calme-toi, amène-le-moi. J'arrive. Viens pas y aller, keuf. Ok. Yes.
This is all t'es about mec, Nathan trying to ce soir for the chez vortex moi, j'arrive très par la pipe. What the fuck, c'est quoi? Well, Nathan was jonesing hard the night of the party. Il m'en faut ASAP. He didn't have pas livreur, t'as une caisse. Pas le temps, je paye double. T'as intérêt à avoir le fric sur toi, essaye pas de m'enculer. Adresse, je t'appelle avec les détails et j'arrive, prépare ton fric. La discussion de Baku infiltré, oh, je te jure. Drug dealer drama. T'es réveillé? A ton avis, tu veux quoi? Péruvienne, ski doux? Tu payes le tarif de nuit? Non, non, mais fais pas pour ôter. Désolé pour hier, besoin de plus, t'es chez toi, je viens pas, va te faire foutre. God, Nathan. Yo, il me faut control. De la bœuf, etc. tout de suite. Calme-toi, t'es soumette. Bientôt, sois cool, s'il te plaît. Rendez-vous à la plage, déconne pas cette fois. So it was you. Now I can officially okay, call putain, you a psycho stalker. On avait reçu un SMS menaçant d'un numéro anonyme, c'était bien évidemment. Is this from Nathan's father? Tu dois arrêter That's de me contacter brutal. Au boulot. Je me moque que tu sois déchiré ou non, c'est du sérieux et j'ai pas de temps à perdre avec des ados défoncés. J'ai besoin de pouvoir compter sur toi, d'être fier de toi. Tu es un adulte, comporte-toi en tant que tel. Nac. Donc on a imprimé les confs. Ensuite, on a besoin d'indices sur David. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party. Nathan pendant la semaine qui précédait la fête. Donc là, on a besoin de trois informations, de trois indices. Il y en a vraiment pas mal. Hein. On va regarder dans l'ordre. On va regarder bah, de gauche à droite, hein, comme ça, on se perdra pas. Ici, David on a la should photo have done Kate. Way more than take photos of Kate. Je pense pas. Maybe entre he Kate et Dana was trying to help Kate pour la fête du Vortex in his own messed up way. Ouais, je pense. Bah, ça peut nous aider, mais je sais pas. En fait, ça dépend. Je pense qu'on va avoir I hope plus in besoin this case voilà, that David has good tout. Tracking skills. Je vais sélectionner à la fin. Plaque Look at all these license peut-être. Plates. I hope he was tailing Nathan. Ça, Does David c'est? Know what's going on with Rachel, or is he just Rachel paranoid a séché les cours toute la semaine. Frank et Rachel se retrouvent encore. Rachel évite sa chambre sur le campus. Suivi Rachel jusqu'au phare. Rachel évite sa chambre sur le campus. Suivi Rachel. Hein. Rachel Amber, 18 ans, a été appréhendée à 14h35 à l'académie Blackwell pour possession d'une substance réglementée. David Madsen, chef de la sécurité du campus, avait contacté la police après l'avoir vu tenter de dissimuler un sac médical suspect. L'agent présent a été chargé d'interroger Mademoiselle Amber, qui a répondu avec des menaces et des nids. Une fouille a révélé que son sac contenait divers produits pharmaceutiques illégaux. Ça, on l'avait lu en plus. D'accord. Ça, c'est une photo. Of course, I'm a suspect. Normalement, on n'en a pas besoin. Proving David sucks as a detective. You need to get rid of these damn cameras, David. Le placement des caméras de l'école. Ok. Ça, At least qu'est-ce que David c'est? Was finally going after the D'accord. right suspect. David really has been on Rachel's ass for a while. J'ai été surpris de recevoir une visite surprise de Rachel. She should have been upset. Elle était bouleversée et affirmait que David Madsen la suivait et prenait des photos d'elle. David s'en défend et au vu des fréquentations douteuses de Rachel, je ne suis pas sûre de pouvoir la croire. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme indice? Je ne me rappelle plus, est-ce que ça l'a noté? Non, ça ne nous a pas noté. C'était pour trouver des indices sur Nathan toujours. Donc, je prendrai la plaque d'immatriculation. Les coordonnées. Et ça, c'était quoi déjà? Je sais pas quoi prendre en dernier. La photo de Nathan, ça sert à rien tout ça. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. On va observer, hein. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's match the coordinates? Comment je fais pour savoir quelle voiture appartient à Nathan pour associer les coordonnées? Wow, ça va être dur, dur sa mère. Of course Nathan drives an SUV. Okay. Donc, overcompensating. Cette plaque d'immatriculation, c'est la sienne. Is this Nathan's car? Hmm. Who does this car belong to? Ça, c'est pas la même plaque d'immatriculation. Wow, sir. This looks like an expensive That's definitely Chloe's car. I'm glad Warren got his revenge. Je suis pas sûr que ce soit, ça nous serve à quelque chose, ça, en fait. Et ça, c'est There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Okay. Et du coup, on avait des coordonnées, on a plein de coordonnées. Okay, let's find out whose car this is. Donc ça, c'est la CSXFTNDR.
qui était celle-là. Pas du tout. C'était laquelle? Je me rappelle pas. C'était celle-là. Attendez, je regarde juste celle de Nathan, c'était... Ah bah c'est celle-là, pardon. My bad, regardez. Elle a le petit scotch sur le phare. Donc ça c'est Nathan. SX machin là. Ça c'est celle de Nathan. Ok, donc on peut sélectionner logiquement. Ça, on peut sélectionner ça et celle-là. Oh yes, now we're finally getting somewhere. J'avais pas vu le petit détail sur la voiture. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye aye, Captain. Here we come, Rachel. Nickel. Et pendant qu'elle fait ça, on peut regarder les derniers indices ou... Ce serait sur Frank cette fois. Let's look at Frank's drug deals. Voyons voir les transactions de Frank pendant la semaine qui a précédé la fête. Alors, on va regarder pareil de gauche à droite. Frank's account. Le livre de compte de Frank, mais les clients. The client names are encrypted. Okay. Donc ça ne nous servira à rien. Frank is for sure the. Frank est sûrement le dealer en question, mais je doute que Rachel transportait des. I doubt Rachel was carrying drugs for him. David Mathien et Nathan Prescott sont tous les deux venus dans mon bureau pour m'informer que Rachel Amber est, dans le vocabulaire de Monsieur Mathien, une mule servant d'intermédiaire à un dealer local. Au vu du dossier exemplaire de Rachel, j'ai dit à David qu'il me faudrait plus de preuves concrètes que ce qu'il a promis de pouvoir fournir. Ok, ça, je pense qu'on s'en servira pas. Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. La photo de Rachel, je doute qu'elle nous soit utile. So. What happened to Rachel? C'était pas tout ce que t'as fait, n'aimais pas ça sur le compte de la drogue. Frank, tu m'as vraiment fait peur, j'ai cru que tu n'arriverais pas à te calmer. Je ne t'avais jamais vu te comporter comme ça et je te jure que la prochaine fois sera la dernière. Ça, on l'avait déjà lu. Hein. Je suis du signe du lion et ne regarde jamais en arrière. Je tiens à toi, à nous, peut-être qu'on a besoin de changement. Je vois pas en quoi ça peut nous aider, moi, pour... So weird how close they were. Mm-hmm. But there's no doubt she loved him. Ça c'est sa lettre d'amour. J'espère que tu liras ce mot quand tu te réveilleras. Désolé pour hier soir, j'ai été une vraie connasse et je n'aurais jamais dû me défouler sur toi. Pauvre Pompidou. Il y a pas mal de trucs tordus qui se passent dans ma vie et j'ai parfois l'impression que je ne pourrai jamais quitter Arcadia Bay. Heureusement que tu es là. Tu es l'une des meilleures choses qui me soit arrivée et quand je pense à nous, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Tirons-nous d'ici pour toujours, je t'aime pour la vie. Et la dernière c'est quoi déjà? Rot must stand for Rottweiler. Ah. That does fit Nathan. Rotten. Rot égale Nathan. Attendez, je regarde juste un peu. Katie, c'est pas Kat, c'est pas Kate quand même. Miss Bagnole de Luxe, ça doit être Victoria. Nacho, Joseph, Mick, Stella, Simon, Logan, Steve, Nathan, Steve, leur... Justin, ok. Chloé, Bulldog. Bruce, Johnny, Nicolas, Glenn, ok. Bon, ça déjà, on va le prendre. Coucou Axel. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Le livre de comptes? De toute façon, je pense. Peut-être qu'on pourra l'ouvrir. Bah oui. Yes. Les noms the sont cryptés. On. Sauf que nous, on a now, les, on a les correspondances. Talk to us, account book. J'espère que ça va bien. Tell ça us fait longtemps. Everything. Message de Nathan. Préparez-vous à mourir, bande de grosses putes. Tu pètes la porte de ma chambre, je te défonce ta bourse. Wesh. Bah, défonce ma bourse. Mais comment il écrit lui? Ah mais c'est parce qu'il est défoncé. Voyons voir s'il y a eu un deal entre Frank et Nathan ou le Vortex Club. Ok, alors. Ok, Max. Remember these names and see Nathan, how Nathan fits in with all this. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Le 30 septembre, à 22h, Rot Blackwell a pris 3 grammes de GHB. Oh, attendez. La soirée du Vortex Club, très bizarre. Bon, de toute façon, elle était forcément sous GHB, Kate. $65. C'est le jet dont il parlait dans les messages. J'ai pas fait gaffe. Je suis crevée, tu es crevée, mais bon, on fait aller. Hein. J'espère que ça va quand même, toi, vu ta story. Oui, ça va, t'inquiète. Des fois, j'ai des baisses de morale, mais en vrai, ça va. Contente de streamer quand même. Ok, on essaie de retenir 30 septembre. Dans un message, il a dit besoin de G. Ah, moi je pensais que c'était besoin de G en mode besoin de grammes, pas juste besoin de GHB. Ok. Deux transactions avec Nathan dans la même journée. Party supplies, no doubt. Le 4 octobre à 17h40. 2 Ozen, Fireburn, 100 grammes, Speed, 5 grammes, cocaïne, $900. Et ensuite, pleine cambrousse, $250. D'accord.
everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Bah ouais, j'ai retenu 30 septembre et là 4 octobre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Il est pas dedans. Il est pas dedans. Ok. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Il y en a plein, wesh. I wonder what dog name Frank would have given me. 7 octobre, soit 3 jours après. Bon, 30 septembre, 4 octobre, 7 octobre. 3h10, 2 grammes de cocaïne. Ensuite, 15h50, 2 feuilles acides skidou. Et ensuite encore, le 7 octobre, 3 fois 1, 2 grammes molly. Et de la weed, ok. I'm getting a contact high just reading this. Est-ce qu'il est encore là? Il est pas là. On doit prendre 3 infos. Ça, je crois que je l'ai déjà lu, je me rappelle plus, attendez. 4 octobre, ok, c'était bien ce que j'avais lu. Il a repris du GHB, d'ailleurs, j'avais pas vu en fait. Attendez, mais c'est pas le même. Ah si, si, c'est le même. C'est juste que j'ai pas vu tout à l'heure qu'il avait repris du GHB. Ah si, c'était plein de cambos, ok. Du coup, on va prendre. Bon, ça, ça nous sert à rien de sélectionner, c'est ce qu'on a mis. C'était celle-là, du 30 septembre. On la prend. Il y avait celle-ci avec les 4 octobre, c'est ça? Ah mais je dis 4 octobre, bon mais c'est 10 avril. C'est inversé, non? Je viens de capter. Ah non, c'est inversé pour eux, pardon. Nous, nous avec la traduction, on voit, on sait bien 4 octobre, je suis bête. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai des bêtises. Je me mélange. Ouais, ouais, je me suis mélangée toute seule. Là, il était pas dessus. Je me rappelle plus sur laquelle il était. C'était elle? Ouais, c'était elle. Oh yes, these are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Ok, donc là on a un tableau assez complet quand même. Take a breath, Max. Ok. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Après la soirée. Ouais, je compte sur vous pour m'aider peut-être. Hein. Donc là c'est le 7 octobre. Ce qui fait sens parce qu'il est parti acheter du coup là le truc skidou machin. Ici on a toujours le 7 octobre. Toujours le 4 octobre. Le 4 octobre encore. Attendez, j'ai pas fait gaffe à ce message. Ouais, gros stuff ce soir. Donc c'était le 4 octobre la soirée, c'est ça? Et le 30 septembre, du coup, need the G. Donc le GHB. Tu m'as vendu de l'eau. Ok. Non, je voulais pas sélectionner ça. My bad. Je voulais juste relire, attendez. Ok. Je me disais pigs on the beach, c'est la traduction keuf me fait rire. J'aurais dû mettre y'a les porcs. Bah déjà, si on se fie... Moi, je pense que le GHB... C'est ce qui fait sens avec la soirée, non? Pour pas du GHB pour lui tout seul, ça n'a aucun intérêt. Cocaïne. Tout ça, c'est le 4 octobre. 7 octobre. 7 octobre, toujours. Ça, ça va être encore le 7 octobre. Non, si. Et ça, c'est... le 4 octobre. Ça, c'est quoi? So, this infamous la soirée party était le 4. D'accord. À 20h, donc lui s'est procuré la drogue avant. Mais moi je vous jure, j'ai l'impression que ce qu'il faut que je choisisse, c'est le GHB. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Le 3 octobre à 4h24. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. 30 septembre. Y a pas le 4 octobre dessus. That beach is like Frank's main office. Là, y a toujours pas le 4 octobre. Oh, that has to be the Prescott estate. Là, y a le 4 octobre. Poor rich Nathan. Ok. Donc c'est celle du bas. Y a un truc avec le 4 octobre. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Ici, y a rien avec le 5. Y a le 5 octobre, ok. Not much out there.
Somebody is stocking up on gas. Ah, ici, le 4 octobre à 21h54. Donc la soirée est déjà commencée. Attendez, j'ai pas fait gaffe à la voiture. Ouais. Et ça. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So he could be hiding clues there too. 4 octobre à 19h25. Donc ça, c'est avant la soirée. Je pense que ça peut être... Mais nous, on cherche après la soirée. Donc faudrait peut-être que je regarde le 5 octobre. Je suis bête. 6h23 du mat. Ouais. Il nous faut 3 indices. Donc un ici, un là et un là. J'ai l'impression qu'il faudrait plus que je regarde les trucs du 5 octobre, en fait. Il y a un truc barré sur la photo de la grange. Attends, je vais regarder. J'ai pas fait gaffe. Là, juste 5 octobre à 5h. 58. La photo de la grange, c'est celle-là, c'est ça? Ouais, j'ai vu. Mais je pas, bah, on peut pas avoir de, enfin j'ai pas de truc dessus. Ça m'embête. C'est dur de choisir la bonne. Bah ça concorde... Attends. S'il y a un truc, ce serait donc soit le 3 octobre, soit le 4 octobre avant 22h. Ouais, je suis d'accord que c'est bizarre. Mais en fait, vu que nous, on cherche à savoir ce qui s'est passé après la soirée, je me dis, est-ce qu'on devrait pas regarder dans la nuit du 4 au 5? Regardez là, concrètement... Il allait mettre de l'essence, je sais pas, je comprends rien. Je comprends rien. Moi j'aurais pris. Même pas ça, parce que c'est des dortoirs. C'est une grange et il y est après la soirée. C'est une station service. Ouais, peut-être. En vrai, je vais la prendre. La grange. Ici, je vais prendre. Mais je sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi j'ai l'impression qu'il faut que je prenne un truc en lien avec le GHB. Parce que nous, on cherche à savoir ce qui est arrivé à Kate, qui a pas de souvenir de sa soirée. Et il a dû acheter le GHB avant la soirée, pas le jour même, pour que ça paraisse moins suspect, peut-être. Genre, il va pas acheter son GHB le 4 octobre, alors que sa soirée, c'est le 4 octobre. Soit pour être sûr d'en avoir, soit pour justement que ça paraisse moins suspect. Moi, j'ai envie de prendre ça. Ouais, après, de toute façon, si on se trompe, ils vont nous le dire. Et du coup, ici... Le flyer, c'est juste un truc qu'on peut regarder. Est-ce qu'on prend le message où justement il dit qu'il a besoin du GHB? Ça, c'était quoi? C'est le 4 octobre. Il m'en faut vite. Pas le temps, il disait. J'allais le capter. Je t'appelle avec les détails. J'arrive. Ah putain, attendez, j'avais pas fait gaffe à tout ça. Et en dessous... Saint-Osef. Et ça, c'était quoi déjà? Saint-Osef. J'ai envie de prendre celui-là, moi. Oh, il dit j'en ai besoin vite. Pas le temps et tout, genre pas le temps, il dit. Damn. Ouais, non. I must have missed something. Est-ce que c'est ça? La grange. Non, le soir où il dit qu'il faut du GHB, c'est avant, je crois. Attendez. Je re-regarde les photos. 3 octobre. Bah les couilles. Ici, on a le 30 septembre. Ah, non, non, j'ai rien dit. On a le 30 septembre, le 2, le 2. Et après, on passe au 6. Mais c'est le diner. La grange, il y allait. Attends, je regarde. La grange, le 4 octobre, il y allait à 22h56. En vrai, il y a moyen que ce soit bon et que l'erreur soit sur un des autres indices. La forêt Osef. Attendez, je regarde juste vite fait. C'était la station service aussi. À 7h04. 21h54. Il a demandé à quelle heure sur le message. Attends, je regarde. J'adore les détectives. 22h54, 20h56, 22h24. Ah mais attendez, mais c'est sûr. Donc attendez, je resélectionne ça.
If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. C'est peut-être pas ça en fait qu'il faut que je sélectionne. Genre dans les feuilles. C'est peut-être pas le truc du 30 septembre du coup, vu que nous on se focus. Ouais, il est à la Lagrange après avoir demandé GHB. Donc nous en fait, il faut qu'on trouve le... C'était à quelle heure? Attends, juste le message, pardon. Je regarde, c'était vers 22h24. Okay. Donc nous, pareil, il faut qu'on trouve un truc du 4 octobre vers ces heures-là. 10h50, mais ça, c'était le 7. Le 7, pardon. Toujours le 7. Le 4 à 17h. Osef. Ça, je me rappelle plus, pardon. Le 30 septembre, pardon. Rien à voir. Le 7. Le 4 à 11h. Donc il aurait été servi à 11h, donc 23h. Je sélectionne ça. J'avais pas fait gaffe. Chloe, c'est écrit GHB dessus. Putain, this is definitely the place. Let me dig up some more clothes here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Oui, c'est sûr que c'est ça. Gonzo. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody. Except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Ok, bon là ça va être compliqué, je pense. Ouais, ça va être... Ouais, je finis le chapitre ce soir. Je finis l'épisode 4. Et l'épisode 5, on le fera en stream la prochaine fois. This is scary. I know, but we're here. Let's go find the best way in. Moi, j'ai peur, sa mère. Je sais pas sur quoi on va tomber, mais j'ai pas confiance. Whoa, check this out. Des traces de pneus toutes fraîches. Il y a quelqu'un qui est là. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Chloe is so damn fearless. Where does that come from? Est-ce que je peux examiner les traces? Hmm. These are thick tracks and... Warren m'a écrit. Attendez, hein. Ça on l'avait vu. Je savais pas que tabasser quelqu'un donnait tellement de bleu. Tu devrais voir mes points. Bon, sa tête est pire, c'est clair. Ça lui pendait au nez. Baston de ouf. Comment ça va? Je suis à fond. Je n'aimerais pas le refaire par contre, sauf si je suis obligée. Tu es un héros. Il nous faut juste les costumes maintenant. Au fait, j'espère que tu vas venir à la soirée qu'on puisse fêter ça. Je te tiens au courant, promis. Cool, je dois y aller, faut que je travaille mes poses de super-héros. Il est insupportable. Et ici, on doit avoir des nouvelles pages. On n'a pas de nouvelles pages. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la grange. Ah si, si, attendez, on n'a pas à droite. On n'a même pas à gauche, la fin de la page gauche, on l'a pas vu, on s'était arrêté à la roue du temps. Les indices nous ont finalement donné les coordonnées d'un lieu hors de la ville qui va peut-être nous mener à Rachel et au-delà. Après tout ce qui s'est passé avec Frank, j'ai dû convaincre Chloé de continuer, parce que je sens qu'on arrive à la fin. Pas la fin du monde, j'espère. Chloé est pleine de rage autodestructrice, mais elle est vraiment courageuse. Oui, Chloé m'a fait frôler la mort, mais je sais qu'elle mourrait pour moi. Et je ne peux pas oublier que je l'ai mise dans une chaise roulante, mourant petit à petit feu dans une autre réalité.
Chloé a retrouvé sa motivation. Je lui ai dit qu'on devait continuer et que je ne pourrais pas retrouver Rachel sans elle. Ça a suffi. Il est temps de faire la lumière sur la chambre noire. Je suis terrifiée. Definitely fresh. Nathan's SUV. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. En fait, je sens que le chapitre va se terminer sur une dinguerie. C'est sûr, on va trouver une dinguerie là-dedans. Attendez, je vais un peu regarder à l'intérieur. Max, get over here before I torch this place. Oh, elle est chiante, mais non. On va pouvoir passer là, je regarde juste s'il n'y avait pas un autre détail. On attend qu'il descende Chloé, puis une digne du chapitre. Non, arrête. N'importe quoi. Chloé! I found the front door. Come on. Moi, je défends Chloé jusqu'à la mort. Hein. Oh yes, Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloé. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. On lui laisse le coffre. J'ai vu qu'il y avait des affiches. Yes, old Prescott clippings. But that can't... Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Okay. Un tracteur. This tractor has paid its dues. Je suis terrifiée, j'ai l'impression, j'ai un mauvais pressentiment. Il va arriver ce connard de merde. Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there must be. Wow, sir. Talk about home on the range. Qu'est-ce que c'est, bouton quoi? There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Oh, c'est trop bizarre. Il y a une vibe d'endroit où tu tues des gens, genre vraiment. No more secrets. Ma manette, elle a vibré. If a zombie shows up, I have my weapon. Ma manette, elle a vibré. J'ai trop peur. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th. Ma manette a encore vibré. Ah, the good old days. Ok, c'est juste des vieilles, des vieux trucs de merde, tickets de caisse. So many haystacks, so few needles. Ma manette a encore vibré. À l'aide. Chloe would make a great detective too. Mais y'a rien là, faut que je sorte. Y'a personne. Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Watch us. I don't want to go that way. Okay. Mais je dis, je vais me promener aux alentours, je me casse, je l'allais tout seul. Non, je voulais me promener aux alentours pour voir s'il y avait des trucs. En vrai, y a rien, de toute façon, ça sert à rien que je sorte. Boîte de fusible, on avait vu. Oh, mais je suis terrifiée. Le fait que ça ne fasse que vibrer me terrifie. Ma manette fait que vibrer. Genre. Enfin, j'abuse, ça fait vraiment 5 minutes qu'elle a pas vibré. Mais... Qu'est-ce que j'ai loupé comme détail? Un truc en hauteur?
des indices sur la chambre noire. Chloe would make a great detective too. Je peux pas lui parler. Bah ouais, il y a forcément autre chose. Ah mais attendez, je vais pouvoir prendre un truc pour les bottes de foin, non? Ça se trouve c'est juste toi qui tremble. Peut-être, on sait pas. Ah, il y a ici un truc dans le sol. C'est fou que je sois passé à côté. Je serais tellement nul hier parce que... What is this? It's totally brand new. Why? No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Je vous jure, les gars, on va trouver Rachel en dessous. Elle est enfermée et tenue. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Attendez, ça s'ouvre de quel côté? Je me souviens plus. Je sais qu'on a vu un truc tout à l'heure. Vers l'entrée. Quelle entrée? L'entrée de là-bas? Attendez, il y a une plateforme ici. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. On est tellement dans la merde, j'ai tellement le souffle coupé. Hop hop and away, Supermax. I dig having minions. Attendez, je regarde juste autour. Oh, on va prendre un petit bout en photo, tiens. Comme on a le temps. Est-ce qu'il en sait des choses, cet hibou? Peut-être qu'il sait des choses qui se passent, hein. Il peut pas nous parler, mais bon. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Au moteur. On l'accrocher au hibou. Je sais pas quoi faire là. Here's the other end of the rope. À quoi est-ce que je peux l'accrocher? Faut que je descende. Pretty sure this old pitchfork won't open a padlock. Try again, Max. J'ai pas le truc là, j'ai pas d'idée. So many haystacks, so few needles. Qu'est-ce qu'on peut prendre de lourd? Le tracteur. This tractor has paid its dues. Putain, mais je suis sûr que c'est là-haut, j'ai loupé un truc, c'est pas possible. À quoi je suis censé accrocher la corde? Dehors, on pouvait rien prendre, on est d'accord, hein. Damn, those pliers are fossilized. J'ai pas d'idée. I need something strong to smash this padlock. Dehors, y'a rien, on est d'accord. J'ai pas compris pourquoi tu t'es attaché à la corde. Non mais attends. Il y a un truc avec la corde. Mais je pense que c'est un détail que j'ai loupé là-haut, genre en montant tout à l'heure. Je monte.
j'ai le moteur là, le truc pour monter. Je vais regarder, mais la plateforme est toute petite, j'ai rien autour. Je peux juste en descendre. Je grimpe. Here's the other end of the rope. Ils m'ont parlé d'un truc plus lourd à prendre. Ah merde, fallait pas la mettre au cadenas. Attendez, je vais voir. I have to get through this monster padlock first. Putain, y a un bouton vert, mais j'avais oublié, les gars, fallait me le dire. Il est où le bouton en plus? Il était pas sur un des trucs comme ça. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Ouais, je sais que je peux pas ouvrir, mais je peux rien prendre pour péter. En fait, pour moi, on a accroché ici la corde, et après on allait genre, je sais pas, genre faire un truc avec la corde qui allait genre avoir tellement de force que ça allait péter le cadenas. Pour moi, c'est ça ce qu'on fait. Mais je suis pas sûre qu'il y a un truc avec les boutons. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Est-ce qu'il faut pas que je revienne en avant? Attends. Je regarde juste vite fait. T'as compris? Moi j'ai pas compris. Attendez, je vais éviter de faire trop d'actions pour pas avoir trop de retours à faire en arrière. Faut que t'attaches la corde à un truc lourd et que tu le poses en vide. Oui, c'est ça. Je sais, remonte en arrière juste avant que tu renverses la tondeuse là-haut. Okay. Oui, je pense que vous avez raison. Est-ce que là, elle y est déjà? Oui, oui, je pense que c'est ça. C'est là, hein, on est d'accord. Hein. Oh, mais là, il va retomber sur moi. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on l'a tiré, il est tombé ici. Ah oui, je remonte le temps une fois que je suis monté. Bien vu, j'ai pas. Waouh, moi j'aurais jamais pensé à ça, moi. Alors que c'est évident. Ok. Donc, ça maintenant, je le tire vers moi. Nickel. Oh, merci, Dieu. Trop bien. Ça aurait été trop chiant. Putain, tout ça pour se retrouver. So that didn't work at all. Ça n'a pas du tout marché. Je remonte encore un petit peu le temps. On va le faire d'une autre manière. Non, mais je pense qu'il y a un truc. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Je réessaye, ça va faire la même chose. Peut-être qu'elle va le mieux. So that didn't work at all. Wesh, c'est pas possible de flopper comme ça tout le temps. Tu peux rien faire de lui là? Non, Max. Try again. Essaye encore. Y'a toujours rien avec les boutons? Toujours rien avec les boutons. Bah rien, j'ai poussé le moteur du coup, mais ça n'a rien donné. So that didn't work at all. T'avais aucune interaction avec la corde là-haut? Attache la corde à la tondeuse et pousse.
chouette. Mais wesh, permets-nous de monter. Ok, je le refais, je vais l'attacher. On peut pas passer ça? Lui, je le tire, après je remonte le temps. Je grimpe avant. Hop. Ensuite, je remonte le temps. Ok. Hop. Ah oui, attaché, putain. La conne. J'ai poussé le truc sans l'attacher. Et là, ça va fonctionner. Et là, les problèmes vont arriver. Parce que depuis tout à l'heure, du coup, ça nous retarde le truc. Là, on va découvrir des dingueries. Mais Max, eux, ils connaissent cet endroit. Comment ils y accèdent si c'est ça? Ils pètent pas le cadenas à chaque fois. Donc, il y a bel et bien quelque chose, une autre entrée que nous on n'a pas. Moi, je l'avais sécurisé. Damn, this is heavy. Ah oui, ils ont la clé, je suis bête, c'est vrai que c'est un cadenas. What? Vu la corde et tout, je partais du principe qu'ils faisaient comme ça. Oh putain, non mais les gars, c'est. Do I even need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place? Ah, le truc de tueur. Prescott, of course. J'ai des frissons. Mais je vais prendre la fourche avant d'y aller, non? Je peux pas prendre la fourche. Moi, je vais dans un endroit comme ça, je prends la. Après, on a un gun, tu me diras. This bunker is so surreal. Il y a un code. First a padlock, then a digicode. Someone really doesn't want visitors. This is too heavy to break, so I'll need a code. Ça c'est quoi déjà? C'est où qu'on peut avoir les codes? Ça peut pas être 111, genre la chambre de Nathan. Ou c'est en revenant en arrière que je vais trouver un code là-bas quelque part? Là, je remonte, il y a quelqu'un et je me tue. I wish Warren could have seen that physics trick. Wow, sir. Talk about home on the range. Dans la caisse. I guess the Prescotts were just born bastards. Très cher monsieur Lyndon, je vous écris concernant les impayés que vous avez pris la décision d'ignorer. Je vais regarder après. Les Prescott ne sont peut-être pas des hommes d'affaires établis dans la bonne société, mais nous n'en restons pas moins des hommes d'affaires et nous attendons à recevoir ce qui nous est dû. Votre silence est à nos yeux un affront personnel et nous exigeons de votre part, au nom de notre famille, le recouvrement de la totalité de votre dette, plus des intérêts s'élevant à 10%, ainsi qu'une lettre d'excuse de votre part. Soyez assurés que dans l'éventualité où ces conditions ne seraient pas remplies en date du 24 juillet en l'an grâce 1903, nous nous appliquerons à faire de votre vie un enfer. Cordialement, Marine Le Pen. C'est chaud. C'est chaud. Merde, attendez, c'était où la photo là? Even Harry Aaron Prescott was like selfies. Qu'est-ce que ça peut être le code?
This tractor has paid its dues. Je sais pas, moi j'ai envie de mettre 111, mais c'est impossible. C'est trop facile en plus. Now that's a serious door. Où est Gandalf quand on a besoin de lui, vraiment? Je sais pas, regardez les chiffres 2, 4 et 5, ils sont usés. Est-ce que c'est à force d'écrire dessus? You can do it, Max. Ou alors, bah du coup, ça, je sais pas, genre 4, 5, 2, etc. On va essayer 2, 5, 4. Oh non. It didn't work. J'ai une théorie, il faut appuyer les touches usées, bien vu, on n'y avait pas pensé. On va essayer 4, 5, 2. Wrong code. You locked it, dumbass. Ok. Some numbers look faded, on a fait 4, 5, 2, on va faire 4, 2, 5. I just have to get lucky. En plus, elle vient de nous dire que c'était ça. Oups, bad code. Ok, on avait fait 200, on a fait 255. Ah, t'as de la latence. 5, 2, 4. You can do it, Max. 5, 4, 2. Oh putain, comme par hasard, c'est le dernier coup. Yes! I thought that only worked in the movies. Open sesame. My god. What's happening in here? Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. C'est vrai que ça fait un bunker en cas d'apocalypse. Come on. Bah j'arrive. Attends, je vais juste faire mon enquête autour. Il y a de la nourriture. Ils ont idée de chaîne de Rachel. J'ai sûr. Truc de survie, ils achètent des Kellogg's, frère. Look at these cans. Mushrooms, des champignons. David must shop at the same store. Look at all this weird shit. Water supplies. Bon, s'il y avait Rachel, on l'aurait entendu crier. Like in David's garage bunker. Elle est pas là. Vu qu'elle nous a devancé. Qu'est-ce que c'est ça? Wow. This says it all. Cher monsieur Prescott, après plus de 5 ans de suivi psychiatrique de votre fils Nathan, je n'ai d'autre choix que de mettre un terme à nos consultations, puisque vous avez choisi d'ignorer mes avertissements urgents concernant son bien-être et le danger qu'il représente pour les autres. Vous êtes très au fait des problèmes auxquels il fait face, mais il est clair que vous refusez d'accepter votre rôle vis-à-vis de sa santé mentale. Sans votre soutien, il m'est impossible de soigner Nathan. C'est aussi simple que cela. Je crains qu'il ne soit en passe de perdre tout contact avec la réalité, bien qu'il semble agir de manière aimable. Mes demandes pour une séance avec vous-même et votre femme sont restées sans réponse. J'en conclus que vous n'avez plus aucun besoin de mes services. Quoi qu'il en soit, je me fais beaucoup de soucis pour Nathan et je soutiens qu'il a besoin d'aide. Je reste à votre disposition quand vous souhaiteriez avoir une conversation à ce sujet. Du coup, c'est son psychiatre. Du ruban adhésif pour scotcher des bouches. Tape in a bunker is always a bad sign. Oui. Clairement. Clairement, 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 clairement. Ça s'est refermé derrière nous? Ok. Imprimante photo. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Feuille. Son of a bitch. Bâtiment, bunker, 1 350 650 dollars. Talk about tortured. C'est trop bizarre. Je sais pas ce qu'on va trouver, mais je pense que c'est pas beau ce qui va se passer. What is going on Nathan, between Nathan je t'ai déjà dit de ne pas father. Te servir de ton téléphone pour m'appeler. Tiens-toi aux appareils jetables que je t'ai donnés. Je ne veux pas t'entendre bêtement hurler mon nom en plein lieu public. Ce ne serait pas la première fois. Je n'ai pas tout mis en place et partagé mes lumières avec toi pour que tu foutes tout en l'air avec ta rage d'ado. Ensemble, nous pouvons beaucoup, mais tu dois me laisser te guider. Sinon, tu te retrouveras sans personne. Mais que veut-il? On peut pas lire ce papier? Everything is sketchy. Let's see what's in here. Oh! Oh my god. Aïe, 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 aïe. No.
Ok, on voit juste Kate ligotée. About Rachel here. Donc elle a été emmenée ici. Il y a des dossiers avec des noms. Rachel Kelly. Aïe aïe aïe, le truc de pervers. Come on, let's see what this shit is all about. Il y a un dossier sur Rachel. Rachel Kate et j'ai pas vu le l'autre. Okay. Victoria, a binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. Je suis trop choquée. These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. J'ai pas vu tous les détails aussi. Oh my god. Rachel. Kate. All of the Apocalypse Entertainment System. C'est dingue, je pensais pas que c'était des trucs si graves. I've never seen so much pricey equipment before. So who's using this fancy tripod? Je sens la dé, les gars, on va remonter, il va être là, genre. These newspapers are all about Rachel and Kate. Les autorités confirment la disparition de Rachel. Disparition d'une étudiante. La suicide d'une étudiante évitée. Somebody likes their whiskey. Les gars, c'est trop la dé. Je suis sûre la Chloé, elle s'est faite prendre. C'est trop bizarre. Ils vont savoir qu'on est passé en plus parce que tout est ouvert. Chloe, slow down. Wait for me. Elle va devenir folle. I know exactly where I'm going. Look, this is it. Are you gonna help me, Max? Chloe, stop. Look. Please, no. C'était quoi? C'était son gun? That smell. Rachel. Oh. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Ah, mais là, faut appeler les flics direct. Je pensais tellement pas qu'elle était morte, je pensais tellement qu'on allait la retrouver. Mon cœur brise le cœur. Oh, de fou. Ah putain, mais c'est elle qui nous guette depuis le début. C'est elle qui nous suit depuis le début. Genre, elle s'est réincarnée.
Oh, c'est horrible ce jeu, mais pitié, mais qui m'a envoyé jouer à ça? Ça fait trop mal. Petit coucou à toi, la baisse. Merci, salut. Ça fait plaisir. Oh, attendez, je suis trop choquée. Oh putain, puis c'est la soirée du Vortex Club. Ouf. I hope Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. And revenge. The Prescotts have had this coming for 100 years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right? Mais oui, elle est engagée. I'm with you to the end, Chloe. You know that. En vrai, moi je la suis, je la comprends, c'est son deuil et tout, c'est ça, la fille qu'elle aimait. Je la suis dans son truc, hein, quitte à me mettre dans la merde, nique sa mère. Qu'elle fasse justice comme elle veut. Elle sait dans tous les cas les conséquences que ça aura derrière, elle est pas bête. Oh shit! Comme elle veut. C'est comme une éclipse! You're right, look at the outline. I can't tell if they're different. What is that? It can't be two moons. Jesus, Chloe, look up at the sky. Possible. Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's juste right. La stigmate. Nathan Prescott is going down. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you all right after today? I really flipped out on Nathan. I just hate bullies. And Max, he's dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking. Let's go, Max. Hey, hey. Il a été I know this drogué, is a bad gars. time, non? but La can I du get bière, ça one fait pas picture? Comme ça. I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know, I'm a pain in the booty. Just one picture. Action. We've got no time for this shit. Ouais, s'il boit jamais, Come je on, capte, Max. Mais une demi-bière, c'est chaud Sorry. quand même. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultraviolence. Je sais pas qu'il était drogué, moi, mais bon. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, parle vraiment comme quelqu'un we qui still est drogué, need là. Your expert help. If you see Nathan, text me immediately, Après, ça a l'air normal okay? pour elle, ça l'alarme pas And plus que ça, let donc... him see you. He won't. I know how to be invisible Moi, ça me paraît here. Bizarre, mais bon. Not to me, Warren. Text soon. J'ai peur pour lui. Une demi-bière, je suis à poil, je finis en dégrisement, mais vous abusez aussi, c'est pas possible. Bon, allez, on va aller voir à quoi ça ressemble leur soirée techno là. Ok, Chloe, where the hell are you? Putain, elle est pas là. C'est pas la personne. Hi, Stella. Hey, Max. Welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? No thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. Je vais juste dire Nathan flippant. Why does Nathan creep you out? He should. I just c'est Chloé want qui your reasons. He's a bully for one thing, and he hit Warren for another. But have you ever looked at his eyes? Glazed and raging. Me no like. So why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Qui t'a embauché? Who hired you? Mr. Jefferson asked me because he knows I don't have a lot of money, even with my job and scholarship. I'm not cool enough for this school. Il est tellement de mèche yes, avec Nathan Prescott. Are,
suis sûre. Honest, and j'en suis tellement sûre que je vais pas m'en couper mes deux mains. I hope everything turns out your way in the end. Well, thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? No, I'm actually not okay. I just need to find Nathan. And don't get too close to him. Le Vortex Club. Hell no. Pourquoi lui? This is homework, not a party. Tous les profs. I'll text you if I spy him. Et Monsieur Jefferson Crary, il embauche des petites étudiantes là-bas? Non, non. On a chargé les coordonnées et on s'est mis en route. On était silencieuse mais bouillonnante d'impatience. C'est difficile à expliquer. Même après tous ces événements horribles, je me suis mise à penser qu'on faisait partie d'un grand mystère centré sur le temps, l'espace et le destin. Je n'ai jamais été très croyante, pas comme Kate, mais je ne pouvais pas croire qu'on se dirigeait tout droit vers une catastrophe après cette incroyable semaine. Mais je n'étais pas préparée pour la chambre noire. Les coordonnées nous ont menées à une vieille grange qui appartenait au Prescott. J'aurais pas dû être surprise de découvrir qu'elle renfermait un bunker bizarre rempli de souvenirs des Prescott. Et pire encore. C'était vraiment l'antre du mal. On a fini par découvrir des dossiers classés par nom qui n'ont fait que confirmer nos pires cauchemars. On ne pouvait pas s'attendre à découvrir ça au bout de notre enquête amateur. Quand j'ai vu le dossier intitulé Victoria, mon cœur s'est emballé et j'ai eu un pressentiment horrible. Je n'ai pas envie de repenser aux photos de Kate Marsh, inconsciente, avec cet enculé de Nathan Prescott. Elle savait ce qui lui était arrivé, même si elle avait oublié les horribles détails. Et Rachel Amber, des photos minutieusement mises en scène d'elle, droguée avec Nathan. On aurait dit un couple de goths dérangés. J'arrivais pas à regarder Chloé, son expression quand elle regardait les photos de son ange qu'on maltraitait. J'avais la nausée, l'espoir que j'avais donné à Chloé c'était du vent. Et puis on a vu où Nathan avait emmené Rachel, à la décharge. On a retrouvé Rachel Amber, morte et enterrée. Pardon, Rachel, pardon Chloé, pardon Kate, pardon William. Va te faire foutre, Arcadjabé. Le lycée c'est les meilleures années de ta vie. Combien de fois j'ai entendu ça de la part de mes parents et autres experts? Qu'est-ce qu'ils en savent, putain? Allez dire ça à Rachel ou à Kate, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu, pardon, Chloé si déterminée. Elle ne veut pas lâcher le flingue. Putain, heureusement qu'on l'a, le flingue. Il faut qu'on trouve Nathan avant qu'elle le tue. Si ça arrive, j'aurai du mal à rembobiner. Mais on approche de la fin du cauchemar. Il faut que je bloque ces images de Kate Marsh et de Rachel Amber, même si elles sont à jamais imprimées sur ma rétine. On a encore un secret à découvrir, et rien ne pourra nous arrêter. Pas même une putain de tornade. On est arrivé sur le parking de Blackwell. La soirée de la fin du monde battait son plein. Quelle ironie. On a dû se débarrasser du pauvre Warren qui voulait parler de son alpha attitude et traîner avec nous. Je ne peux plus mettre l'un de mes amis en danger. Trop bizarre de voir les étudiants avec leurs tenues super chères ou leurs costumes pré-Halloween. Ils riaient, discutaient, fumaient, buvaient comme s'il n'y avait pas de tueur en série, comme si la ville n'était pas en éco-danger. We need to find Nathan and take him down. This party needs a crowd. Hello, Brooke. Max, I didn't expect to see you at a Vortex Club party. I didn't expect that either, but I really need to find Nathan. Have you? No, I haven't seen him, and I'm not looking for him, so I most likely won't tonight. I just hate that scrub and his club. So why are you here tonight? No homework? Boredom? Waiting? Have you seen Warren tonight? I will. He left already, but we're going to map out our drive-in date later. Warren wants to go to dinner first, so that'll be fine. Is that cool with you, Max? Yes, it's great. Brooke, I'm happy. And Warren. I'd like to see you happy instead of waiting. Thanks, Max. Though I feel selfish talking about a boy considering Kate and the Arcadia Bay echo meltdown. You're not selfish, Brooke. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers. Check to see if you can fly. Only with your drone. By the way, did
you see that crazy double moon out there earlier? Max, if I saw a double moon out there, I would assume it really was the end of the world. Well, the night is still young, Brooke. And so are we, Max. So let's plan a drone date next week. Energy drinks, soda, energy drinks. De très bizarre, I know somebody has the booze. There's Courtney drinking alone, without Taylor or Victoria. Victoria avec elle. I wonder why. I just wish some... Luke, I almost didn't see you. Je parle aux gens, mais Max, c'est pour avoir you're des the only person I don't mind seeing right now. I was looking for Nathan. I've avoided almost everybody here tonight. Why are you looking for Nathan? No big deal. Really? You look pretty fucking intense. Is Nathan bothering you? Oh wait, I did see Nathan today. Nursing a busted face. I had dreams that somebody finally kicked his ass. Well, Luke, sometimes dreams come true. Warren gave him an epic beatdown. Yes, give it up for Brother Warren. Now all we have to do is drive all these goddamn Prescott vampires out of town. I think Sean Prescott wants to drive all of us out of town. Or into Panic State. I met him once at a Bigfoot's game. Mean fucking bastard. Oh man, he explains Nathan. Preach it, Brother Lou. Okay, I have to get going. Thanks for seeing me. No, thank you. En fait, je veux discuter avec for helping Kate. And for keeping it real. Peace out. No one seems to know Bigfoot on Otter action. That's great! You have the girl that's great! Oh shit! Alyssa, are you okay? Yes, I just got packed by a water panini to sell in the pool. I'm queen of the world! And you're always nearby when I'm targeted. Maybe you can warn me when I'm back. J'avais pas vu. I'm so not impressed by this VIP crap. Excuse me, but I'm going in. Sorry, but this is the VIP section. Members only. Okay? I don't give a shit about being a member. I just want to talk Victoria to you. Victoria specifically told me not to let you in. Nice try. Too bad you're not a member. Listen! No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP gatekeeper, not me. So please go. I need to find a way to enter this bullshit club. Putain, je pensais que c'était le truc de la porte. What are you doing in here? Qu'est-ce que c'est ça? Apparently, Blackwell has a severe toilet paper fetish. Yo, maximum overdrive, about time. Comment ça, on m'entend pas? Got here to save this lame rave. Ah, parce que ça fait trop de bruit. Attends. You look pretty ripped already, Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia Bay on a Thursday night? Besides, Dana is here. J'ai baissé un peu le son du jeu quand même. So yes, this party sucks. Oui, c'est bon. Ok, ça va, merci. Speaking of, have you seen Nathan? Oh, he should be freaking out in the VIP lounge with that whore Tex Club. Fucking hate those snobby douchebags. Especially Nathan. Tout le monde déteste that dude is gonna go on a rampage soon. You might be right, so stay away from him tonight, okay? Spread the word. Max, I know I'm twisted, but your face looks so fucking intense. And your voice sounds different. You okay? How about a quick dab? No, I'm cool, Justin. And I have to get going. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus! You're right. I'm only torturing myself here. Plus, I'm too loaded. Comme ça. It's time to get my board. Je vais aller Green Day. Allez, vas-y.
I'd like to tear every one of these things down. Y'a pas un gars là qui peut me faire entrer? Qui est The Prescott's? Oh my god. On peut pas leur parler pendant qu'ils font pipi? Hello? Can you I'm never leaving this toilet! Yes! You've been vomiting for like an hour! This is my last Vortex Club party! Good night, sweet prince. Maybe you're not the only one who has to get sick. Somebody's either having sex or throwing up. Putain, mais les gars, j'ai pas d'enfant pour rentrer là. Not anymore. C'est trash talk Max dans les chats, je te jure. Je te jure, attends. Oui, oui. Comment je peux entrer dans ce putain de club VIP de ces morts? What would a shitty party be without glow sticks? J'escalade et c'est tout. God, are you mental? You can't come in. Non, je veux pas tabasser leader. I wish. Yes, you do. I wish I could. Je veux pas draguer leader. On peut user de nos charmes, je sais pas. Ah, un petit con qui peut nous faire entrer là. Not now, Max. I'm soaking wet. Bah, je te laisse tranquille. Puis là, peut-être. On peut plus lui parler. Passe par la piscine. Cette musique qui commence. Je vais revenir en arrière, non? Ah, je peux pas. Ah, si, je peux. Tu me fais chaud au cœur. Tu es content d'avoir entendu ce qu'on a pour moi. Tu comptes beaucoup pour nous tous. Je vais y aller. Dis merci à Warren pour moi. Il est trop mimi. Il m'a même apporté des livres dont j'avais besoin. Fais-lui un gros câlin de ma part. Pas de soucis. Ok. Ici, on... Merde. On a logiquement pas de nouvelles pages. Nathan is the Vortex Club. So his ass has to be here. Fuck your selfie. Okay. Je vais pas m'asseoir. Ça n'a aucun intérêt. Zachary, if you mess with Juliet, I will kick your balls on a loop. So Juliet hooked up with Zachary again? She better be careful. Trevor, I love that Trevor doesn't care how goofy he dances in the VIP. No more. I'm glad Dana ended up with Trevor. Yay, Max! I can't believe you showed up. Why didn't you tell me? We could have dressed up together. As you can tell by my outfit, I was in a hurry. Dana, have you seen Nathan around? Hell no, I've been dancing with Trevor. Come on and dance with us. Look at Trevor trying moi, to flash the move. En vrai, je juge pas, mais j'arrive pas à comprendre comment tu danses sur cette musique. How's the end of the world going? Great! C'était pas si this drôle, has been the worst fucking week of my life, so I needed to act like a carefree student tonight. For Kate. I hear you, Dana. But I want you to avoid Nathan if you see him. On passe le message qu'il faut éviter Nathan. I will if I want to have fun. I still feel sorry for him. He needs help, but not from his family. The Vortex Club is also enabling him. I know. Juliet wrote a story describing it like a cult, and I'm starting to think she was right. It's not fun anymore.
Sounds like you're ready for a change. I don't need any club to be cool or have friends. Look at you. Plus, I like hanging with Trevor and his skater friends. No drama. That sounds like a plan, Dana. I'm glad Trevor is with you tonight. Thanks. The boy cannot dance, though. Look at that. I know Victoria is next on Nathan's hit list. Attendez, on peut interagir avec le DJ. The Vortex Club actually hired DJ Doom. C'est DJ Doom, putain, c'était pas DJ Abdel. Oh, y'a Victoria, mais elle voulait pas comprendre. Est-ce que c'est une bonne idée de lui faire un coup? Can I talk to you for a second? Max, alright. I'll talk after you shake that boom for me. Mais le temps, depuis tout à l'heure, on s'arrête pour discuter avec tout le monde. Chloé, elle a eu le temps de discuter. I can't even get Victoria or Taylor to twerk. And you wanna hang with Nathan? Why? Pas tes affaires. None of your business. Oh, Max is dropping serious attitude on the dance floor. Logan, this is a swimming pool. In other words, you haven't seen Nathan. Ask Victoria. She always knows where he is. Don't you ever want to see me, Max? You're so cute. And we never really talk. Talk about what? The next Bigwits game, we could go out to the field, I could show you some moves, give you a touchdown. Logan, don't make me hurt. Damn, that was way more exciting than a dance. Catch you later, Max. Sorry, Max. Vortex Club members only. Sorry, I'm on the guest list. I'm taking you off. Go fuck yourself, you Victoria. I don't have time for this bullshit. Real cute, Max. You still pissed about me taking your picture? Do you even have a clue what's going on at Blackwell? Kate Marsh tried to kill herself in front of you. And everybody here. That's not my fault, Max. Don't you even try to blame me. Elle me fait de la peine maintenant, Victoria, maintenant que je sais ce qui se passe. I don't blame you, Victoria, but you know Kate had a church group and that she didn't party. So, why did you send out that video? Oh, God. I swear we weren't even going to do it. Then we had some wine and got stupid. More than stupid, it's mean, hateful. Kate never did anything to you. And that didn't stop you from taking one last video of her on the roof. I deleted that from my phone. Maybe I'm not her friend, but I didn't get off on Kate attempting suicide. I'm not evil, Max. I believe you, Victoria. But I don't understand you. That makes both of us, Max. I always feel like I have to overcompensate. For what? I have no clue. I'm only here to become a photographer, not president. Allez, je vais parler de Jefferson. Is that what you were trying to tell Mr. Jefferson last night? You saw me talking to him? Saw. And heard. We were just talking about how excited he is for the Everyday Heroes contest. That doesn't mean I'm going to win or anything. I hope you win fair. We'll see. And Max, I know you don't like me either, so it's not like we have to be friends or anything. Maybe, but who says we have to be enemies? Whoever makes that decision. That would be us, Victoria. Well, Max Caulfield, I could always choose to let you in the Vortex Club. Okay, on a baisse les tensions avec elle, c'est bien. But not for the reasons you think. Oh, you look so serious. Ouais. Je la préviens. Bah, je la préviens. Comment ça, j'aurais rien dit? Victoria, enough of this high school bullshit. We're adults now. Si tu dis rien, t'es un connard et t'es compliqué. Your life is in serious danger. I know you're close to Nathan, but he is truly unstable and dangerous. He did drug Kate at that party so he could take her someplace. Dark. Oh my God. And I'm the drama queen? Elle ne croit pas, mais tant pis. I am not fucking around him. Sorry, but no. On se doit de la prévenir. Nathan is like one of my best. Évidemment, elle ne le croit pas, c'est son meilleur ami. But that's not his fault. Ça lui fera-t-il quand elle like sera. Total freak just because he has little meltdown. C'était sûr qu'elle allait faire galérer, bah ouais. I don't care if you hate me or not. You have to believe me. I don't believe anything you say. You're full of shit. Oh hi, I'm Max Caulfield.
and I'm so sensitive that butterflies make me cry. Now will you listen? Si elle nous déteste, je vous jure, on a bien fait, nous, on a rien à se reprocher. Hein. You're just pissed because you didn't enter a photo in the contest and that Mr. Jefferson is going to pick me. A real artist would have busted ass to win, but you just want to take your little retro selfies. That is so fucking lame and lazy, Max. Just go find a community college. Victoria, please don't do this. Especially after what happened with Kate. Can't you see I'm serious? That's your problem, Max. This is a party, and it's the end of the world, so I am going to get so wasted, even you won't bother me anymore. I'll let Nathan know if he finally shows up. Adios. Au revoir. Vas-y, c'est peut-être pas une arrière de leur dire. Okay, je vous jure, je pense que j'ai bien fait. She's not gonna believe me over her Vortex Club partner. Oh good, Chloe's here. Well, she obviously didn't find Nathan. That son of a bitch is not here. Where are you, Nathan? I better get Chloe. What's up, up in the sky, it's Superman. Moi, je m'en serais voulu de le dire parce que je la préviens quand même. Tant que c'est moi, je crois pas. Mais t'imagines, tu sais que tu vas se ramener dans un endroit pas de chelou et toi, tu dirais. No thanks. Come on. I would kill to see you baked. Get that stick out of your ass. You need to get high more than anybody I know. Malgré ton intelligence droguée comme ça. So, has anybody here seen anything? I guess you have to go ask everybody here. Or you can sit down and take a quick guess. What about Victoria? Go ask her yourself. I would, but like I said, I'm fucking wrecked. Maybe we better take it easy. Whatever. I'm in this world to have fun. Try it sometime, Max. I finally get you and Dana to come out to a Vortex Club party, but you just want to lecture me? Gee, thanks, Mr. Madsen. How much fun did Kate have at your last party? Listen, Hayden. Just watch out for Nathan tonight. I think that's your job, Max. Come back when you're ready to have fun. C'est terrible que personne nous écoute comme ça. Oh my god. Max, seriously? What are you doing here? Taylor, have you seen Nathan yet? If I did, it's none of your business. This is a VIP area, so you should get back to the bleachers. Just keep on dancing for Victoria. And stay away from Nathan. Like, thanks for your concern. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs or in the lockers. Mais regardez! Maybe he's hiding in the person, je vous jure. Nathan can't hide anymore. So, you made it! Oh, hey, Mr. Jefferson! Are you both okay? You look like you're on a mission. Je dis rien. I was just looking for Nathan. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. Don't. Kate's situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost gone. Comportement de pointeur, je te jure, il est trop bizarre. J'ai un mauvais feeling là depuis tout à l'heure avec lui. De base, je m'en foutais, mais là, je sais pas. Okay. C'est tellement Victoria qui gagne, j'en suis sûr. Thank you. Thank you. Il est de mèche avec Nathan, c'est Victoria qui gagne pour la madrouille, il en est dans la chambre. C'est sûr. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about it. Attendez. Now this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. Ça l'applaudit plus que Drake. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes.
The envelope, please. And the winner is... Victoria! Oh my, what a shocker. Victoria Chase. C'est choqué. Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. J'ai peur qu'elles disent de la merde. And I'd like to dedicate this prize to Kate Marsh. She is the real everyday hero of Blackwell, and I can't wait for her to come back. Hypocrite. J'ai peur qu'elle dise de la merde, ok, ça va. J'avais trop envie qu'elle dise d'un truc en merde. Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. Yes, I can. He fucking cares. Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass now. Me too. Let's go check out the dormitories. Tu te rappelles quand on a dit que c'était un stream court? On est dans le meilleur chapitre, genre. Oh, Christ. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Mais pourquoi ils préviennent pas la police? Ça me fascine. Je sais, fuck the police et tout, mais quand même. Quand il y a ta vie qui est en jeu, là. La cherche isolée, ils vont se faire tabasser, c'est ça? Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Pourquoi ils ont pas pris en photo le corps de Rachel? Bah, sous l'émotion, je pense. Ah putain, c'est trop la merde. J'aurais trop peur qu'on croie que c'est moi, qu'on me tue, au moins prévenez le beau-père. Mais oui! À prendre un mauvais terme avec, mais... Come on, il a pas l'air si mauvais que ça. Nathan needs to die now. Oh, for God's sake, Chloe, you have to be quiet. We could die, okay? Pas qu'on se fasse shooter, nous, en fait. Après, il reste un chapitre, donc je pense que c'est quand même pas la fin du jeu. Oui, c'est ça, au moins prévenir. Elles font des trucs de fou, mais elles sont pas super intelligentes. On n'est pas invisible avec nos lampes torches. Max, please hurry. Oh God, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Quelle horreur. Oh, no. Putain. Je me suis fait droguer. Enfin, je me suis fait... Elle s'est fait Chloe. Droguer. Je trouve la meute trop RP. How? What the fuck? Revenir en arrière. Je fais que spam le bouton. Fils de pute, je le savais que c'était lui. Je fais que vous le dire depuis tout à l'heure. Oh, l'enculé de ses grands morts. Et depuis le début, quand j'ai le choix de le dénoncer, je le fais pas, genre. Fils de chien, va. Putain, je suis dégoûtée. Mais là, on va regarder nos stats normales. Mais quoi? Mais attendez, mais... Lui, c'est pas que j'ai un pouvoir et que je peux revenir en arrière, mais je pense que je peux pas revenir en arrière si je suis droguée. Elle est pas dead, par pitié. FDP, le chapitre de fou. Je suis trop choquée. Il lui a mis une balle dans la tête.
Aïe, 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 aïe. Attendez, mais quoi? Je suis en train de regarder mon écran. Mais il y a 53% de personnes qui ont accepté la demande de Chloé qui est de la laisser mourir. On a laissé Warren tabasser Nathan, ok, c'était une minorité. On n'a pas blessé Franck, c'est bien. Victoria n'a pas pris notre avertissement au sérieux. Elle aurait pu le prendre au sérieux. Je vous jure, j'arrête de jouer, wesh. On n'a pas sauvé le merle bleu. On est horrible. On n'a pas dérangé le nid. On a obtenu les dossiers d'une autre façon. Kate nous a aidé à trouver la chambre de Nathan. Je suis dépité. On n'a pas convaincu Daniel de se rendre à la soirée. On n'a pas laissé de message sur l'ardoise de Warren. En fait, on n'a rien fait. On n'a pas découvert le code PIN de Nathan. On n'a pas aidé Alyssa. On n'a rien fait, genre. Attendez, je veux au moins voir le début. On va faire le chapitre 5 la prochaine fois. Mais je veux au moins voir ça. La tournure que ça prend. Une balle entre les yeux. Et c'est lui qui a tué Rachel. Et c'est lui, c'est sa chambre à lui, le truc. Help me polarize, help me polarize, help me down. Oh my god. Ben, en vrai, tant pis, on se garde ça pour le prochain stream, hein. Soit... Non, peut-être pas mardi prochain, on va peut-être faire ça jeudi direct, en vrai. Le dernier chapitre qu'on se fera en one shot, on le fera du début à la fin, en un stream. Parce que souvent, je coupais les chapitres en deux, mais là, ça sert à rien. Waouh! Je suis trop choquée du chapitre. C'est quoi ce jeu de zinzin, genre vraiment? Attendez. Je ferme le jeu. Le dernier, il est bad long. Ah bah. Soit on se le one shot si on n'est pas fatigué, soit on se le coupe en deux, mais voilà. Oh, je suis trop choquée, sa mère. Enfin, non, si. Je suis choquée que le focus là. Je suis choquée que Chloé ait été tuée. Mais je suis pas si choquée que ça qu'il y ait Monsieur Jefferson dans l'histoire. En fait, je m'en doutais, genre depuis je vous dis. Tu peux pas le couper en deux. Bah je le couperai pas. Vas-y, nique sa mère, on se one shot. De 21h à 5h du mat, s'il le faut, je m'en fous, je le ferai. Je le ferai. En vrai, de toute façon, ça me frustrerait de pas le faire. Aïe, 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 aïe. Donc le prochain épisode, c'est le dernier de Life is Strange. De Life is Strange 1. Ouais, j'ai pas les mots, hein. On verra ça jeudi. Je pense qu'on va se faire ça jeudi ou ce week-end. Et on verra ce que ça donne, hein. J'ai espoir qu'une fois qu'on reprenne nos esprits, on puisse lui baiser sa grand-mère, la reine des putes, à lui, parce que je vous jure, il sait pas qu'on a un super pouvoir. C'est plus fort que la drogue et c'est plus fort que les armes. On va l'enculer, je vous dis, on va l'enculer, c'est bon, je suis déterminée là. Il va se passer des trucs, il sait pas ce qu'il attend lui. On va le niquer, on va faire un retour en arrière, on va l'empêcher de nous droguer. On va prévenir Chloé qu'il y a Monsieur Jefferson dans l'histoire. Je sais pas, mais on va réussir à faire un truc. On saignera du nez, c'est pas grave. On saignera de tous les trous s'il le faut. Mais il va tuer personne et Chloé, elle sera sauvée, je vous l'assure. Et si elle n'est pas sauvée, que je meure moi dans la vraie vie, c'est pas possible. Non, non, mais attendez, il sait pas ce qu'il attend, lui. Aïe, 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 comment ça m'énerve. Tu montes vite en besogne. Non, mais là, je suis trop saoulée. En fait, je m'attendais. Je savais qu'il avait un lien avec tout ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit si grave. Le mec vient, nous colle une balle entre les yeux. Fais le vrai tueur en série, je sais pas, discute avec nous avant, menace-nous, fais quelque chose. Comment ça, tu nous colles une balle et tu te casses? Enfin, quoique, il s'est pas vraiment cassé parce qu'il nous drogue, il nous emmène, gnu, gnu, ok, d'accord. Mais wow! Aïe, 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 bon. Bah écoutez, c'est quand même tout pour ce soir. Attendez, je range ma manette. C'est quand même tout pour ce soir. C'était un stream assez long, mais en vrai ça vaut le coup. Mais là tu peux même pas rewind. Je sais, là je peux pas rewind, mais t'inquiète, je vais pouvoir à un moment. Il y a un truc, je sens, il y a un truc qui va faire que. On verra. Mais en tout cas, me spoil pas. Ce serait sympa. On verra ce qui va se passer, mais dans tous les cas, je vais tous les niquer maintenant, j'en ai plus rien à faire. S'ils ont décidé de Chloé, je vais tous les tuer. Je fais un truc, mais vous allez voir. Bref.
On verra bien. On verra bien, je sais même pas ce qui nous attend en réalité. Mais lui, ce qui est sûr, c'est qu'il il finira pas vivant, ou alors il finira en tôle. Bref, j'espère que vous avez apprécié le stream ce soir. Autant que moi, je l'ai apprécié. Ça m'a fait grave plaisir. Le chapitre était fou. Chapitre 4 est mon préféré de loin pour l'instant. Voilà, on se retrouvera soit jeudi, soit ce week-end pour la fin de Life is Strange. Quelle émotion! Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Et puis, comme d'habitude, la VOD sera disponible demain sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me donner de la force. En plus, on est bientôt à 400 abonnés sur YouTube. Je trouve ça fou. J'aurais jamais cru. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et puis, nous, on se dit du coup à jeudi. Soit pour un react, soit pour la suite de Life is Strange. Mais ça part bien pour être la suite de Life is Strange. Bisous tout le monde. À la prochaine, repose-toi bien. Merci Axel. Merci Lilian. J'espère que vous avez kiffé. Merci pour les petits messages. Allez, bisous. À jeudi tout le monde. Salut.